dimanche de 2h à 4h PM, vous êtes invités à suivre Vision Sport Magazine sur Vision FM. Vision FM. C'est un magazine où l'on fait une longue promenade sportive sur toutes les disciplines telles football, basketball, tennis, volleyball et autres. Vision Sport Magazine, c'est une randonnée sportive dans laquelle le commentaire, l'analyse, le décryptage et l'interaction avec l'auditoire sont effectués avec objectivité et équité par Wilfried Boutissa et Jean-Mercé Hippolyte Ibolov. Vision Sport Magazine. Univers Sport. À Univers Sport, le sport est en filigrane. Flash, flash, actualité, actualité via Univers Sport. Flash, flash, actualité via Univers Sport. Toutes les dernières infos sur Univers Sport. Suivez Univers Sport avec Wilfried Boutus. Bonsoir, ça dépend de qui zone qui va garder nous et tendre nous. Donc, autant pour nous retrouver dans l'espace Univers des Sports avec Saint-Paul Wilfried Boutus à l'antenne. Dans la salle de tous les amis, toutes les fatigues qui suivent nous un peu partout. Toi de près, celui de nos Print TV. Et puis donc, Audionale 701. En 11-83, 701-901-11-83, et Radio Vision FM, 106.5 FM stéréo, et puis donc FVMH, Voix Mercier Hippolyte, et dans la Cour New York, Radio Modèle de Ezetus-Navaléan, Brooklyn, Queens, Long Island, Radio Télénago de France Nago. Et puis donc, Haïti Best Radio de l'ingénieur Dagison, Pierre, et dans la coupe Pays d'Haïti lui-même, Radio RVC 89.1 de Pierre Richard Jean-Jacques, dans la coupe Saint-Marc, Radio Lacaille de Lucenès Inakis, Poterie Précision FM de Jackson Prédestin, et puis à Saint-Louis du Nord, Lacaillon, Radio Réflexion Inter. Et 93.7 de directeur Nemchiout, directeur
Lubens Joseph, Sabimotivi Place. Nous comptons pour nous retrouver dans l'espace Silla qui c'est Univers des Sports avec Zimpa ou le foot boutis à l'antenne. Salut toutes les amies, toutes les fois qui sont vraiment qui déjà belles et connectées, qui suivent l'émission Silla qui c'est Univers des Sports. Mesdames et messieurs, prêts qui parlent. Et dominer Univers des Sports pour matin, pour après-midi, et pour Zamio qui a écouté nous. Et bien, tout, nous parlons là pour nous faire le prêt concernant du championnat national de la première division. Et coup d'envoi, championnat ça lui-même, libre voir pour 1er et 2 septembre qui a venu là pour première journée. Hein. Écoutez, nous parlons là pour nous venir avec calendrier pour première journée ça. Et puis donc, nous va ouais aussi en termes de des stats pour championnat ça, mesdames et messieurs. Et puis donc, après de la sélection haïtienne de football, bon côté et casseur là, puisque là parlons certains de ligue de la. De la CONCACAF et nous parlons là pour nous parler de ça aussi mesdames et messieurs dans l'espace là. Et puis donc nous avons gagné pour nous là et à Saint-Louis du Nord jeudi hein, côté parlons une belle rencontre dans le parc de son petit frère à Saint-Louis du Nord et côté nous parlons là équipe à des essais là eux-mêmes qui parlons pour jouer avec avec l'équipe Diaspora lui-même et surtout monsieur Saint-Louis Villio là et des charités Pascal les autres charités monsieur ça là vraiment là qui mettait rencontre ça sous pied et organisation Saint-Louis là lui-même vraiment qui a fait un travail impeccable. Écoutez nous avons gagné pour gagner là Saint-Louis Nord TV avec directeur Pano Didier Only directeur Lubin Joseph vraiment qui a bel et bien présent dans pas dans son petit frère à Saint-Louis du Nord pour venir avec rencontre ça pour nous vraiment mesdames et messieurs qui a vivent à l'extérieur pour même monde tout qui a vivent dans pays d'Haïti monsieur Saint-Louis du Nord lui-même c'est notre TV à belle et bien présent pour rencontre cela. Et puis à l'étranger mesdames et messieurs n'a gagné là pour nous en pile information notamment et dans le pays l'Espagne même côté là jouer avec président Ligland eux-mêmes vraiment là yo vraiment là boudé au fâché puisque ils ont affaire de un compte qui va délocaliser qui pour venir jouer dans sol américain là côté joueur là vraiment là yo campé en quoi et fanatique yo on va t'avler pour ça ta arrivé fait n'a rien pour nous retourner sur ça et puis donc n'a rien pour nous parler de Neymar et n'a rien pour nous parler de Neymar puisque là Neymar lui-même avec 13 sponsors que Neymar lui-même ligué hein et côté l'argent qui vient là c'est un fait de 85% aller à part Neymar c'est eux-même qui a géré fonds ça là et puis donc 15% retrouver Neymar et puis donc n'a rien là pour nous parler de CR7 là en parlant de Cristiano Ronaldo monsieur lui-même là qui voulait gagner Ligue des Champions avec équipe Juventus de Turin et puis donc n'a tout et tout finaliste pour meilleur joueur européen pour saison qui s'est écoulée là Cristiano Ronaldo Mohamed Salah Messi Saola Luka Modric ils ont fait partie de trois finalistes Saola mais Lionel Messi lui-même qui est rejoint en cinquième position mesdames et messieurs. Et puis, nous venons avec l'autre information, notamment président UEFA lui-même, Alexander, monsieur lui-même là, qui prend la réélection, mais monsieur là qui promet à Haïti tout, on se tadoué là, nous va connaître, ça fait 17 mois, nous va connaître comment ça va le passer. Mais quelque chose, mesdames et messieurs, c'est tout point ça yo avec un pilote encore qui va le faire essentiel émission par un qui c'est univers des sports mais à l'espace là lui-même n'a rien pour nous recevoir coach Moïse Élisée lui-même qui a bel et bien présent dans l'espace là n'a profité ça aller
et Emmanuel Bernard de la radio Omani dans la cour Atlanta. Et Emmanuel Bernard et nous saluons bon départ, mais Roosevelt Blaise depuis c'est Mike qui connecté avec nous. Et nous avons quelqu'un, Joseph Ney, Jean Rabel. Et puis donc nous avons Nakichas Carter qui belle et bien connecté. Nous avons des amis qui sont capables de continuer à partager live là, inviter des amis. Et pour capable suivre émission c'est là qui c'est Univers de Sport avec Zampa Wolfoot British à l'antenne. N'a fait premier posant après posant, mesdames et messieurs, n'a gagné pour retourner pour les détails à l'espace de l'Univers de Sport. Reste et demeure le sport roi. C'est ce qui nous réunit et nous unit à chaque fois qu'on doit agir pour la paix, le fundraising et contre la guerre. C'est le Vigno organisation à but non lucratif qu'on prenne question 1 et décide d'agir pour l'éducation. Dans l'idée pour construire l'école dans la zone Mike pour les gens défavorisés, c'est le Ville a invité nous tous dans un gros match de gala le 22 août dans le parc de son petit frère à 4 PM. C'est le Ville pour jouer contre ASSL dans l'ambiance sans pareil parce qu'il rappelait René pour le mettre en animation tête chargée. Et c'est pas fini, a gagné un pilote animation encore, d'un coup animation musicale, manger et latrier. Tout ça, c'est seulement pour 100 gouttes ou qu'on peut plus souligner des plus. Programme ça arrive possible grâce à Soleil Transport, Tim Michael Tête Fred, Relax Barbershop et Lucas Napoléon. Va s'arrêter quelques secondes pour le fini. Danger pour SSL. Danger pour SSL. Michel Edli a pas avancé. Michel Edli. Michel Edli. Passe. Ou Pascal Léon. Pascal Léon. Pascal Léon. Les tirer. Fly. Pascal Léon tombé, monsieur. Marche. Ou à chercher assurance avec Living Benefits. Assurance pour devoir vivre la même ou qu'à point cash. C'est contacter des top agent insurance in town. Ernso Dorvilus, 954-865-5284 ou 954-675-1598. Cash Value Life Insurance, Permanent Life Insurance, Ernso Dorvilus. Quelle que soit policy assurance là, que c'est Straits Life Insurance, Group Life, Health Insurance for Small Business Owner ou Non-Profit Organization, c'est encore Ernso Dorvilus. Depuis c'est assurance, assurance vie, assurance santé, Ernso Dorvilus. Index Annuities or Fixed Annuities Disability Income Policy Agent Ernst Dorvilus on the move pour aider à n'importe policy assurance soit cherché que c'est Health Portion ou besoin Obamacare, Medicare, Medicaid Ernst Dorvilus 954-865-5284 ou 954-675-1598 ou besoin assurance pour Timoun tant que Florida Kids Care Long and Short Term Care Policy encore Ernst Dorvilus 954-865-5284 ou 954-675-1598. Ou pas le travail, ou pas de guetta préparer le lunch, DMS Tecarout Restaurant, votre cuisine créole. Il a servi breakfast le matin, all car fries, grits, bonnons de fruits, foie dur avec maïs, bonjour yam caraïbe, hot dog, western omelette, bonjour morue en sauce, spaghetti, bonjour marinade, ham, bacon, or sausage omelette, yon spécial salade lambi pour vous servir. Poisson en sauce, side, maïs moulin ou bien banane. L'or chachion, bon manger, n'allez plus loin. DMS Tecarout fait delivery. Just call 954-366-5037. Quant à plat dîner au même, rice and beans, side salade ou bonhomme fruit, fried chicken, wings, shrimp, bonjour plat, tasso griot, turkey, fish, cabrit ou bœuf, ouvrez le fruit ou en sauce, légumes, lambi. Et les samedis même, yon spécial bouillon consommé, soupe jumeau les dimanches. Gain spécial $5. Au café commode, soit dans le travail ou bien la caille. Delivery a fait notre temps record, y'a déplacé à l'potel dans le travail ou bien devant porte la cave. DMS sortez car votre restaurant, votre cuisine créole. Adresse 103 North East, 3ème Street, Pompano Beach. En face Pompano Supermarket là. Téléphone 954-366-5037. Votre restaurant.
Your top local real estate agent, is on the move for your home. Your real estate agent qui connaît comment pour négocier your lower price for the home of your dreams. Ernso Darvilus. Your real estate agent, cap for 24 pour plus d'argent, c'est Ernso Darvilus. Laissez your real estate agent cap travail dans The Keys Company. Côté offre toute une série de services real estate dans toute transaction immobilière. Toute question acheter caille, vendre caille, buying, selling, leasing, refinancing, new construction, rental, international investment. C'est Ernso Darvilus dans The Keys Company. Yon real estate company qui a fait qu'un content. Relais 954-865-5284 ou 954-675-1598. Wap chercher yon triplex, duplex, yon bon condominium, townhouse, single family home, multi-unit apartment, luxury waterfront ou même qui a des problèmes crédit. Compagnon aide tout client travail sous question crédit pour aider crédit score monter. Relais Ernso Darvilus dans The Keys Company, headquarter localisé dans adresse 4301 North Federal Highway, Lighthouse Point, Florida. Téléphone 954-865-5284 ou 954-675-1598. Serving Broward, Dade, and Palm Beach County. C'est encore saison taxe? So, back is tax time. Greenback, back. Année ça, expérience pas suffit. Nouveau loi, régulation, yon mandé. Faut qu'yon maîtrise yo. Tac, tactique. Et puis appliquez yo. Tic-tac. À la seconde. Voilà pourquoi en 2013, Alex Tax Services a tout changé. C'est tax, tac, tactique. Et puis appliquez yo. Tic-tac. Et puis Greenback. Comptez dans B.U.T.O. au sinon de Last to Pay Stops. Et puis l'argent là. La poule. Alex Tax Services, Chitana 840. Ici, Oakland Pupa Boulevard. Suite 101-33333. Numéro de téléphone, c'est 954-934-3463. 954-934-3463. E-Collect. Fast Refund. Individuals. Corporations. Et au partnership, dépisé taxe. Il est Alex. Mes amis, pas oublier. Anissa, expérience pas utile ou bah. Si ou par contre, nouveau loyau. C'est ça que fait en 2014. Alex Tax Services is the new tax. Tactique, et puis appliquez yo. Et puis bring back and sure is sure that said so. Tous les dimanches de 2h à 4h PM, vous êtes invités à suivre Vision Sport Magazine sur Vision FM. Vision FM. C'est un magazine où l'on fait une longue promenade sportive sur toutes les disciplines telles football, basketball, tennis, volleyball et autres. Vision Sport Magazine, c'est une randonnée sportive dans laquelle le commentaire, l'analyse, le décryptage et l'interaction avec l'auditoire sont effectués avec objectivité et équité par Wilfried Boutissa et Jean-Mercé Hippolyte Ibolov. Vision Sport Magazine. À Univers Sport, le sport est en filigrane. Flash, flash, actualité, actualité via Univers Sport. Mesdames et messieurs, nous de retour après Poznan. Pablo va suivre l'émission par un qui c'est Univers des Sports avec Zami par Wilfried Boutis à l'antenne. Salut à tous les amis, toute fatigue qui a suivi nous et bien partout. 3-2 points, c'est lui dans Print TV, Audionar 701-911-423. Et puis donc, Vision FM, 106.5 FM, sérieux, de la famille. Dominis, Janine, Jacques Spano, Enzo, Alex, et Mikey Mike, et nous saluons tous service FM, là, et FVMH, voilà, merci Hippolyte, confrère Pano, Zami Pano, et puis donc, dans la Kounoyak Radio,
modèle de EZTC dans Valéan, dans la Coupe Brooklyn, Queens, Long Island, Radio, Télénago de France Nago, Haïti Best Radio de l'ingénieur Dagison Pierre, dans la Coupe Pays d'Haïti lui-même, Radio RVC de. Radio RVC de Pierre-Richard Jacques, et puis dans la Coupe Poterie, Précision FM. De Jackson Prédestin, et puis donc c'est Mike, la radio Lacaille de Lucenès, Unakis, Poterie, Jean Doulan, la radio Précision, et puis à Saint-Louis-Nord, Lacaille Moïse Élisée, Lacaille Wilfried Boutis, radio Réflexion Inter, 93 Preset, le directeur Nemchiout, directeur Louben Joseph, tout le monde, Derry, Desgrange, mon. Capoujo, Berger, Bono, Ansa Follet, Zami, Kaspar, Cheno, Kazali, Sobat, et nous oublier Zami Nantikoyo, Zami Zabriko, Zami Balateo, Cheme de Grange, Zami Soufoyo, Moun Bokazenyo, Moïse Mbabli, Moun Boudmeyo. Nous pas oublier mon sao et puis zami Villa Soyo, zami dans Citron et zami Île de la Tortillo. Nous tous salé qui a coûté nous c'est la radio Réflexion Inter, mais pas oublier et checker avec bibliothèque Yannick Lyons dans lui-même dans la cour Saint-Louis du Nord et Henri Alexandre Nimo 104 ans dans radio en almeté bête sur pour capable plus performant et c'est ça puisque monsieur Crio là. Et directeur Nemchiout, chef de file, vraiment là, monsieur qui a fait un travail impeccable à Saint-Louis-du-Nord. Directeur Louben Joseph, Zami Pam, vraiment là, bon travail. Et directeur Only, bon bagay. Bon, et nous parlons de tout pour nous recevoir dans l'espace là, pour nous gagner ensemble avec nous, coach Moïse Élisée. Et avec lui-même, nous parlons commenter l'actualité, hein, mesdames et messieurs. Mais, pas oublier. Et une mission ça devient une grâce à l'unique barbershop de la mission British 10-12 Nord-Ouest 9e Avenue pour tout ça qui concerne coupou, cheveux et nous on fera l'unique barbershop de la mission British 10-12 Nord-Ouest 9e Avenue n'a pas l'un dans les mêmes c'est là pour aller puis donc aller faire cheveux vraiment là pour capable mettre bien frais mesdames et messieurs pas oublier suivre émission par où hein, qui c'est univers d'espoir avec c'est pas Wilfried Boutis à l'antenne après direction de Miami pour aller recevoir coach Moïse Élisée et week-end qui était coulé à la dimanche là dans Vision Sport Magazine et c'est ça dans Vision Sport Magazine lui-même avec coach Moïse Élisée vraiment là c'était un travail qui était vraiment impeccable vraiment nous parlons là pour retrouver coach Moïse Élisée. Et entre-temps, on a demandé des amis qui sont capables de toujours continuer à partager live là. Inviter des amis pour suivre l'émission. Direction de Miami, pour nous recevoir coach Moïse Élisée. Coach Moïse, nous comptons pour nous retrouver dans l'espace univers des sports pour la première fois. Coach Moïse, amis, comment est-ce que vous levez? Comment est-ce que vous faites? Bonjour Boutis et bonjour tout auditeur matin dans l'émission. Et nouvelle de sport et nous les fait très bien, c'est formulant très bien et si on a une école de travail nous même jusqu'à qu'on nous fait en Guinée nous la caille et bien nous là pour nous porter précision ce qui a passé et dans le pays nous effectivement et moi et nous content pour nous retrouver dimanche là vraiment là et en pile feedback côté dimanche là on était bien passé selon Zamio là mais pas oublier moi vraiment là c'est un monde football qui fait toute catégorie là qui boule nous capable dire boule toute étape yo coach Moïse Élisée. Oui, nous boule toute étape yo depuis dans petit dans le football jeune, tout dans football jeune a fait préparation jeune entraîneur, tout dans entraîneur a joué, tout dans entraîneur venir habite. Nous venir habite pas oublier tout pendant des billets de hauteur ça et pendant même c'est un formateur jeune doum, c'est un formateur qui prend qui c'est un niveau 1 capable faire volleyball, basket. Et puis natation, nous avons un formateur, son mouri qui est premier, qui prend tout étape ça. Et comme vous la caille parfois, nous allons faire dans quelques écoles et nous allons faire volleyball dans le pays Igwe, nous faisons basket pour le pays Igwe. Et c'est ce sport ça, on devrait implanter dans la ville là, c'est bien dommage.
moi qui t'ai vu là avec sport ça qui pas gétant arrivé dans rêve lui. Mm-hmm. Mais c'est ça et m'a profité ça aller et notamment Jean Lance Zami Pam et nous allons où et puis donc nous gagne Keke Jean Abel et nous allons bon les Pam Ouzé Blaise depuis Haïti en forme Emmanuel Bernard depuis Atlanta et la radio Omani nous gagne la Nakisha Kater et Jimmy Raphaël et puis donc nous gagne Joël et Toussaint qui dans Kailan et puis donc nous gagne Seyan Eleanor qui connecté avec nous. Nous avons Dimi Saint-Giste en forme Dimi. Et puis donc, nous avons Higgins Jean-Baptiste, Anesca Claude et depuis Chili. Et puis donc, nous avons là John Casamajor. John Casamajor en forme Et nous avons des amis qui capables de continuer à partager live là. Inviter des amis pour capables suivre l'émission. C'est là qui c'est Univers des Sports. Côte-moi, puisque nous connaissons toute semaine ça, les mêmes lichots à Saint-Louis-du-Nord, c'est la fête de patronale, et puis c'est là, par le gain, pile d'activité qui sous pied, et surtout, monsieur Saint-Louis-Villot là, qui mettait un gros match de football, qui a bien pour jouer, et je dis à la Belis Wise, en forme, merci bien, Jeanne Delan là, moi, et puis c'est là, je dis là, et c'est une belle rencontre qui balgue pour fête dans le parc Nelson Petit Frère à Saint-Louis-du-Nord. Dis-nous, coach Moy, comment ça y est? Est-ce que c'est celle rencontre? Et c'est celle rencontre, monsieur Diaspora à Saint-Louis-du-Nord, c'est ancien joueur. Vraiment là qui balgue pour jouer avec ADSL de Saint-Louis-du-Nord, coach Moïse Élisée. Boutiste, non, ça c'est un coup de qui gagne. Et nous te gagnons championnat qui le Coupe 4 de la France, qui c'est la 4e édition. C'est moi qui ai organisé ça en Haïti pour yon basket, le basket 131 et qui n'a pas mis, qui est là-dedans, et Jean-Joseph Pierre, nous connaissons les Tijan, ou bien Tijan, nous avons Patrick Dominique qui est là-dedans, nous avons Martin Dominique, nous avons Lickinson Dominique, et puis nous avons Franklin Wilbert, nous avons Baboul, et avec le commissionnaire Jean Monestime, et monsieur a organisé la compétition ça, et il y a 4 ans, et la compétition ça a pris une enfer. Il a commencé le 15 et la fin 25. Et c'est pour tout le monde qui a 15 ans et comme vous avez 15. On a dit que tout le monde est bien frais, est complet. C'est monsieur qui a porté le matériel pour l'équipement et chaque équipe qui a une position en ballon. Et la compétition, ça a été chaque année, il y a 8 équipes. Première année, on a fait 6 équipes. Deuxième année, il y a 8 équipes. Troisième année, il y a 8 équipes. Quatrième année, il y a 8 équipes. Avec ça, nous avons une team et un JSD. Et Clark de Vertis, Milan de Degange, Onsa de Cap Rouge, FC Balatier, FC Castis de Chemin de Gange, et puis ASRB, Association Sportive de Rivière des Bas. Et bien, c'est 8 équipes qui sont passées en championnat. Et maintenant, la première demi-finale, la première demi-finale là, qui c'est Dream Team avec AJSD. Et maintenant, ça finit 0-0 dans le temps réglementaire, dans le temps COB, AJSD, carré Dream Team 4-2. Et demain, c'est Nabgué. L'autre défense là, qui c'est Milan, de degré avec FC Balatier, qui a joué demain matin à 7h. Si nous jouons à 7h, il y a une animation et musicale, et nous avons des tâches qui et c'est 4e édition. Mais surtout, qui en mémoire, un gros football est perdu la ville, dans nos naufrage et bâtiment Clovis à l'époque, et bien c'est Coupe Calais de la France, 4e édition. Et c'est quoi cette activité? Mais au bye-bye, et moi, au bye-bye, non, et. Je vais quitter Mourina et Clovis là, non là. C'est Cadet la France, Coupe Cadet la France. Cadet la France, mais si n'a pas appelé tout. Ah, moi, si n'a pas appelé tout, c'est pas celle qui quitter Mourina et Clovis là, tout. Ou t'es gagné Téché là, tout. Ou t'es gagné Téché là, 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 c'est que M. Bastien, papa qui est Bastien. C'est que Pémon, c'est lui qui est pas perdu dans nos poids. Nous devons oublier nous qui devons mourir dans Clovis. Nous pas oublier ça, non, là. T'es que une fois grêle autour. T'es que une fois grêle autour, là. Ma connaissance. Non, grêle va pas dire pour la dingue. Grêle va pas dire pour la dingue. Oh, ok, d'accord. Grêle va pas dire pour la dingue. Mais c'est lui les assassinités en dingue. T'es un peu le jeune, c'est lui qui est mourir. Et là, dans nos poids, après chercher la vie dans le pays danger. Monsieur, même qui c'est promotion, monsieur, et ancien joueur, monsieur, et c'est dans le pissage dans le football Saint-Louis, il y a ton bel football. Et monsieur, dans la réunion, il y a un consacré
yo faire une activité sportive chaque fête la Saint-Louis avec Timoun yo sous nom monsieur. Pas oublier chaque année c'est petit monsieur là qui est les Caraïbes et la France qui toujours aille mettre trophée à l'équipe champion. Parfois les invités madame monsieur pas là mais nous on bat pour son monsieur capable venir mettre trophée en somme de monsieur. Mais si yo reconnaissent un vrai joueur ça que de la France et compétition à faire chemin et pas bien dire et Jim Team éliminé c'est AGSD qui a prétendu Milan de grand ou bien FC Barat qui a joué deux matins à partir de 7h et final là a joué 25 août et après-midi à tout on a gagné un match et monsieur Saint-Louis-Villio qui a joué après-midi avec HSL pas oublier a gagné plusieurs HSL gagné HSL 15 HSL dans toute catégorie et bien c'est à monsieur et moi de 20 ans monsieur Saint-Louis a joué 3ème division a joué parce que monsieur et deuxième division a joué avec handicap et 24. Mon après-midi, il y a par exemple ambiance surchargée et dans le suspect Fondo. Début jeudi, pour arriver jusqu'à 25, terrain a surchargé. Après match matin, midi et soir, et deux matchs par jour. Et par exemple, 24, nous avons un match phare. C'est match vétéran et ASNJ qui a vécu à Haïti, diaspora. Et puis avec ancien joueur Saint-Louis qui a vécu à Haïti et à Saint du Nord. Match a joué à 5h. Et puis à 7h, nous avons un Real du Cap avec équipe et avec celle-là. Oui, c'est ça. Et si tout rencontre, rencontre là, et après, essayer là, pour nous faire tout ce dérangement là, pour tous les amis qui vivent à l'extérieur, pour tous les amis qui vivent à l'extérieur, et vous capable suivre comme ça les mêmes sur Saint-Louis du Nord TV, et puisque là, nous gagnons directeur Didier Only, le Ben Joseph, monsieur lui-même, vraiment là, qui a belle et bien présent avec staff. Et avec staff Saint-Louis Nord-Tivien, c'est tout, il y a un Polonais, il connaissait le nom Maxime Boutis, et puis donc il y a Grégory, et un pilote confort encore après, je viens de directeur Didier Only. Mais Only, nous sommes capables là, mais c'est un gros travail et pour mon Saint-Louis Nord qui t'a posé en pile question, et Coach Moïse, et c'est tout, pour point lui-même, vraiment là, et puis donc il fait parcours la réalité lui-même, c'est un travail vraiment impeccable, Coach Moïse et Lise. Oui, j'ai salé, nous avons suivi en direct et les tabacs sont pour moi. Pendant du point, nous avons espoir pour moi, nous sommes des points. Parce que ça fait longtemps, nous avons pour moi. Ça fait longtemps pour moi, enchanté, nous avons pour moi. Est-ce que nous-mêmes, dans ce du Nord, qui plus bien dans le pays qui devait, ou bien dans le département de ça qui plus devait, pas oublier jusqu'à présent, José Avende fait son lui à passer dans le fait noir, et c'est le problème. Pas oublier, nous avons l'école pas ouvert, l'aide de descente, c'est pas l'école. Et pour ça, si ça finit aujourd'hui, nous avons dit que c'est une délivrance et pour nous-mêmes, nous sommes lui, côté nous ne pouvons pas être encore, côté cousin de famille, nous avons eu l'école à l'aise, nous avons fait passer en 1999, côté monsieur, nous sommes la Saint-Louis, nous avons pris le monde, nous avons mouru. Et nous disons l'État, nous disons concerné, tant pour souple, nous pouvons. Et nous-mêmes, nous disons ça, le DJ, et on lit, les hommes, ils parlent sur le chat, nous avons fait un gros travail impeccable. C'est ça qui est le plus Saint-Louis. L'on parti, l'on quitte la caille, changer la caille, même l'on pas qu'avec la tête sur gain, mais si c'est promener, qu'à promener, villa, promener, et puis nous, ça fait nouer, nous expliquons ce que nous avons payé comme ville qui est plus propre. Voilà.
Bonjour, bonsoir, tout dépend de côté mon entendez. Et je salue Moïse, j'espère que monsieur là. Moi là. Ok. Joseph. Ok. Ok, bah, je salue quand même, même salue Brutus, et quand même, je défends pile temps absent parce que nèg te gen paquet bon responsabilité, nèg l'école, nèg va apprendre, nèg comme si gen pile bagay qui gen projet qui en route. Donc, je dis là, c'est peut-être une bonne vacances, aujourd'hui. Et puis, famille m'a dit, moi, comprends ça, elle dit, maman, je suis à la traduction, on a dit, les bruits, là, pour une petite vacances. Donc, on dit, bon, je vais profiter pour participer à l'émission. Et ceci débat des sujets assez importants. Oui, je comprends très bien, tout ce que ça dit. Et maintenant, réaction, monsieur, dans l'émission Univers. Oui, l'un du sport en général, nous on dit football seulement. Non, debout du sport, tout du sportif, on doit faire sport. Ou c'est un monde qui sage, ou c'est un monde qui moderne, et puis et santé a toujours en super forme. Forme doublée, grâce à Dieu, ouais, là, dans la journée là, à 42 ans, et moi je me fais un gros maladie côté, me d'accoucher, interné l'hôpital pendant 4-5 jours. Non, mon petit maladie mais l'hôpital, mais c'est parce que moi-même je fais sport comme un esclave, m'esclave sport. Et comme de même là, et la caille, moi, je fais sport normalement. Sport, c'est la vie de la santé. Et depuis, on monte dans le sport au métro. Même dans des réunions, on va parler de sport. L'esprit a vu un petit genre de ça régénérer. Ou bien toujours être jeune, parce que l'esprit a une activité qui est tellement propice. Il y a des auditeurs, des téléspectateurs, coach Moïse, qui va vraiment là, connaît qui est ce qui coach Moïse Élyséen. En bref, moi, font petit résumé, qui est ce qui coach Moïse Élyséen. Bon, Moïse Élyséen, il fait 5 juillet 75, actuellement là, dans le 43 pour café, de Saint-Louis du Nord, de parents et Élyséen, et il était l'école, la menée, et dans l'école primaire. Il était conduit au football et à l'âge de 14 ans, dans l'école Lamine. Dans l'école Lamine, il est entré dans le club football et Pepsi FCP. Lamine football, c'est un équipe qui est passionné de football en pile, qui fait presque toute part du football là. L'équipe est Saint-Louis, là, il est au Cap Haïtien, dans le Zen du Cap Haïtien. Il passe dans le temps à perdre ses matchs. Il passe dans le Cavalier de Léogane. Et il retourne à la Cali, il vient à la SSL. Rêve-lui, c'était. Et monter à la première division. Oui, elle a été réalisée. Là, c'est la première division. Je suis là en chair et en os. Et je commence à jouer. Je n'ai pas de problème. Moi, quand je ne peux pas jouer, je suis entré dans sa petite clan. Eh bien, février 2009, nous montons en première division. Et nous montons en première division. C'était des bagages parfaits. Tout le pays, tout le nord-ouest est avec nous. Tout le pays est avec nous. Après ça, nous devons laisser quitter ça. Et football là. Nous préparons, nous faisons un peu de jeunes footballeurs, nous faisons une formation club par nous, nous faisons un club Farine, nous faisons fondé, nous faisons Jupiter, nous faisons un paquet de bagages dans le football comme entraîneur sélection Nord-Ouest, et entraîneur et académie de demain, entraîneur SSL, entraîneur, nous faisons un paquet de bagages dans le football, former jeunes, faire sélection. Pas oublier, ou capable de dire, et c'est Raïchien des Blancs, quand il faut faire créer là, c'est pendant que Moïse Élyséen est entré dans le football jeune, et puis vous venez qu'on y a servi nous à baisser sur ce bagage, vous venez que jeune, c'est lui à faire sélection. Et longtemps, il n'est pas facile pour les jeunes joueurs de faire sélection. Moi-même, je suis encadré, je suis monté au pied, je suis joué, formé,
ça fait juste qu'on est là, nous avons un pile joué la sélection, fuit comme garçon, et peut-être avec un pile, et les m'a quitté le football là, et à cause de ça, il m'a tout dit, ça tourne en tête, moi, ça c'est moi, c'est le nom, et parce que moi, mais là, quand même, parce que là, quand même, dit toi, comme tout, Dieu, mec, ça a offert. Et je ne sais pas si je suis en train de vivre pendant que là, mais au moins, je suis en train. Et pendant l'humiliation, le découragement, je vais faire quitter le football, et dans le football là, entraîneur, joueur, et je vais trouver un habit. Et moi, je fais 3 ans carrière habit, et dans tout le pays, à la habité, grâce à Dieu, ça me fait moins surtout. Et madame, moi, qui fait moins en pile, qui a fait la sauvage, ouais, mais que ça, je vais faire 3 ans, je vais faire. Et puis, je quitte le football là, mais quand je suis là, je me suis retrouvé dans le pays des États-Unis. Et c'est ça, et moi, qui est le plus gros match au niveau de la première division qui a été arbitré? Et même nous, ça m'a arbitré au basket, c'est bon, je m'a arbitré au basket de gros match. Par exemple, l'OFP a arbitré au demi-finale Coupe et Super 8 et Don Bosco Fika à Pétionville sur le paquet de bagailles. Le monte au Cap Haïtien, on fait un match FICA à Real du Cap. À ce moment-là, on est Real du Cap qui c'est une équipe qui plus située dans le pays. Et nous connaissons FICA, c'est une équipe qui plus située dans le pays. Et match ça, il faut deux ou une tête. Il faut toute tête sous épaule pour faire match ça. Il faut intelligent, il faut qu'on joue là et puis faut se un habit de carrière. Et je ne vais pas faire de match à Estomi Balin. Bon, jusqu'à présent, je vais identifier vraiment. Qui puis go match m'habiter, mais seulement on capable d'eau puis go match m'habiter et me vivre cette tempête de ce match avec Christine de Gonaïve, la Christine de Gonaïve et on est en ce jeu tempête et bien on sait des joueurs cap jouer tout qui peut être très bien qui passe dans le formateur et bien là on tout est le temps de se dire et bien je vais ébranler on est sa mauvaise affaire lui connaît fin et bien. Ok, c'est très bien, la pauvre salée. Et Thierry Will quitte l'Isson depuis Montréal, Canada en forme. Et n'a pas de saler. Et au chéri, Zami Panou, qui est vraiment busy dans le moment ça. Et puis donc, nous avons coach Paul Moïse depuis Belgique. Ousmane Saint-Hibert, et nous souhaitons bon établissement, mon ami. Et l'IAFICA depuis Jacksonville. Coach Samy Belay, Hippolyte Jean, merci en forme. Et nous avons Jean Omanelwa depuis Nepos. Romain, nous allons bon le PAM. Et. Kena Paul, et nous saluons Kena Paul, c'est Moun Saint-Louis du Nord, et toutes leurs amis, toutes leurs fatigues, vraiment qui suivent nous. Allez, j'ai Jacques Mehdi, et nous sommes là, et nous parlons là pour nous, ça est concerné du championnat national de la première division, et côté nouvelle saison, les mêmes, série clôturant les mêmes, vraiment là, et qui annonçait en pile couleur. Allez, j'ai Jacques Mehdi. Bon, nous souhaitons que le championnat, bon, amené qu'à être très bref, donc nous souhaitons que tout dérape, qui est fait dans ces ouvertures là, ça va répéter encore. Bon, nous connaissons que gagner match. Nous souhaitons que le calendrier a respecté, ça est le deuxième point. Hein. Mais nous avons tout mis tombé là, donc côté que quand il y a une tempérie, quand il y a l'autre circonstance qui va dépendre du football là, vraiment. Ça, on va comprendre ça, qui a fait que le calendrier n'a pas respecté. Mais à part de ça, tout, nous souhaitons que y ait plus de spectacles, nous souhaitons que y ait plus de révélations et faites, parce que pourquoi? Et nous regardons que l'affaire sélection nationale, ou après que pas vraiment un joueur de cap joué dans le championnat national de première division qui la donne. Là, il y a un problème. Est-ce que normalement, c'est niveau football non, qui est trop bas, qui est extrêmement bas? Ça, c'est la première question que nous avons posée à partir de là. Deuxième question, est-ce que normalement, c'est tout ce qui n'est pas rien? Troisième tout, est-ce que c'est entre sélectionneur qui dit bon, vous savez quoi, donc comme championnat qui voit championnat de 6e division en France, donc pas la peine pour garder les gens qui ont potentiel, pas dire qu'il y a des gens qui ont potentiel, au moins pour essayer de faire chance sur. Donc là, les contingents vraiment décourageants parce que normalement, championnat nous pas qu'à well, les gens qui l'ont bon d'abien, mais gardons le match en Haïti nous pas qu'à well. Et malheureusement, c'est sous résultat d'attente, des fois, tous ces quelques radios qui, côté que y'a des journalistes qui ont fait des retransmissions. Donc, et puis ensuite, nous avons souhaité que y'a une surprise dans le championnat. Malheureusement, y'a une équipe ASSE qui est en très mauvaise position. Donc, si le championnat a campé là, donc il y a la 22e division, nous avons souhaité que les fonds montent et nous avons souhaité que le Cosmopolita carrière fait playoff à Nissa. Donc, c'est ça que je souhaité. Parce que les points qui montent en première division, le plus souvent, c'est eux qui souhaité comme si les VTTU.
comprendre. Donc, ça c'est mon avis. Et avis en tête, il y a un joueur tout pour nous et vraiment garder. Il y a une équipe qui nous suivait tout dans le championnat, ça, il y a l'équipe ASEA. Et avec l'équipe qu'on a maintenant. Donc, c'est deux équipes, normalement, je pense que normalement, qui a créé la sensation donc, pour le championnat. Oui, c'est ça. Et nous avons la situation elle-même est vraiment compliquée pour certaines équipes. Coach Moïse, c'est ça. Et Kenapol, Benson Pachout, qui j'en match mesdames. Bon, mesdames étaient déjà éliminées. Mesdames étaient déjà éliminées. Ils retournent dans le pays d'Haïti. Bon, comme d'habitude, c'est toujours comme ça. Ils ont recevé une saison diplomatique après ça. Là, et Nadmaïna, des pile promesse, comme d'habitude. Bon, coach Moïse, nous, championnat lui-même, parfois, nous, avec le championnat vacances, là, nous avons un gros handicap pour l'équipe première, puis c'est là, élément que nous avons gagné, et nous avons un championnat vacances, et puis nous connaissons le championnat vacances, là, nous avons entré. Nous connaissons le championnat vacances lui-même. L'argent qu'il fait dans un petit bout de temps, et là championnat première division lui-même mais il va même faire là dans le club coach Moïse Élisée et puis habite là et British et m'a porte en prison pour confrère et moi-même actuellement là ça le fédération hein il y a presque 2 ans il y a 2 années et il respecte date pour faire championnat respecte elle et me songe puis ça a gagné 2 ans respecte elle année ça depuis mois de mai fin mai. Il a publié calendrier. Il a publié ouvert ce championnat. Si on a ouvert 1er septembre, 1er semaine mois septembre. Il a publié depuis le mois de mai. C'est parce que le club haïtien n'a pas de discipline. Moi-même, je suis dans la zone du Cap haïtien. Je fais 6 ans là, je suis dans la zone. Je ne peux jouer championnat en vacances. Le club là exige, il paye normalement. Il a bon, un horaire côté respecté. Et depuis le début de l'entraînement, tel est. Pas bien regarder la Real du Cap après l'entraînement. On l'a dit, ils ont dit que c'était la Real du Cap, pas qu'à venir faire Saint-Louis. L'avenir faire Saint-Louis, la venue jouer à Real du Cap. Mais pas qu'à lever faire Saint-Louis pendant que Real du Cap a entraîné. Il y a une équipe qui a deux autres, qui est déjà tragé le joueur. Il faut jouer à faire 3 snows là, pas match. Non, joue. Si soit belle là, pas assez. Non, j'ai fait. Ça fait que le bio n'est pas constitué. Regardez à ce moment-là, nous avons une nouvelle avec ASC qui était Haïti, qui l'a préparé ce domaine. Pablo ASC, année en haut, tu as descendu en première division. Premier tour. Deuxième tour, il est passé, les champions. Les champions, c'est le FMT. L'autre année, nous avons ouvert si ASC est autre champion. C'est ça qui est. Lui, il manque de descendre en deuxième division. Eh bien, il a un problème. Il a réalisé le stade ASC qu'on a, ceux qui font mon appel. Est-ce qu'il descend encore? Est-ce que c'est champion phase d'ouverture? C'est ça que le bal le fait. Il y a quelqu'un qui laisse aller jouer au football. Il va y avoir un championnat à couvert deuxième semaine, première division, première semaine septembre, deuxième division, deuxième semaine septembre. Est-ce que je m'entraîne? Est-ce que je m'entraîne quand jeudi à 22 août, à mon semaine encore, c'est septembre? Imaginez, il y a un club qui va faire. Et nous avons du confrère et tout, et on va faire des sélections haïtiennes. Là, on va aller jouer à Haïti, qui peut jouer à Haïti, ce n'est pas un problème. Parfois, on a une sélection, et si pays ça, on ne peut pas jouer à l'étranger. Dès que vous avez joué à pays qui a joué à l'étranger, dans le haut niveau, je suis d'accord. C'est les joueurs qui peuvent jouer dans le haut niveau, ou vous avez une sélection qui a joué à Haïti, qui ne peut pas faire. Comme dans le cas de le Brésil, l'Argentine, comme dans le cas de la France. Regardez l'équipe ça, qui peut jouer à l'étranger. Ok, au cas où motion. Argentine, Brésil, pas il regarde le Brésil. Alors, en motion. En motion. C'est vrai, non, c'est vrai. Oui, oui. Allez non. C'est ma poche, on comprend ni. Et ceci, je me comprends tellement bien. Par exemple, dans le cas par Brésil, là, pas oublier que je regarde à l'étranger. Hein, yo en compétition, yo gain rythme, yo titulaire dans le club, yo pas oublier ça. Mais par nous, yo. Non, attendez. Non, par nous, yo. Mon qui plus ou moins titulaire, ou gain Donald Guerrier. Qui joue dans FC Karabakh Azerbaïdjan, ou bien Genevois qui est équipe titulaire, ou bien Zachary Rivo qui a joué dans New England Revolution, et puis ou bien Derek Hetien qui a joué dans New York Red Bulls, ne, à peine si ou pas même 15 nan yo qui titulaire.
Moi, j'ai 15 ans qui joue régulièrement. Il y a des gens qui jouent à l'étranger, ils n'ont pas même joué un bon 15 matchs pour saison. Là, c'est un problème. Et ça, avec que moi, je dis que, comme alternative, nous devons structurer le championnat là, car nous, pour que. Regardez, moi, je vais prendre un test, je vais regardez qu'on est là, il va jouer avec Saint-Martin là, le 10 septembre prochain. Il s'en va au dehors, non? Là, ça, son problème. Il s'en va au dehors. Pour qui ça? Parce que normalement, il faut un petit cap pour vous et vous n'êtes pas capable de jouer jusqu'au début de vivre là, pour venir. Et nous connaissons que FHF par un sponsor, c'est ça. Donc, ça, ouais, tout problème, ça, si nous avons structuré le football là, quand nous, bien structuré, nous n'avons pas obligé de problème ça. Mais par contre, le Brésil, l'Argentine, la France et autres, il n'y a pas de problème ça. On est capable de voir l'étranger, le titulaire, il y a un rythme déjà. Donc, ça veut dire que mon travail, il n'est pas obligé à le refaire. Et pas oublier tout, fédération, ça, il n'y a pas de problème sponsor, nous-mêmes. Donc, je pense que. Et pour nous, on a dit, aujourd'hui, la Karensi doit parler dans la conférence de presse et dans la fédération camionnaise, il dit qu'on a que. Je crois que les plus priorisés qu'on a, c'est qu'on a vu dans la Major League, c'est qu'on a vu dans le gros championnat. Et c'est vrai, il dit qu'il faut jouer ça en tout, il faut gagner, il faut être titulaire. Même qu'on pas titulaire indiscutable, au moins il faut jouer, au moins chaque semaine, il faut avoir. Mais si chaque semaine, pas qu'à avoir, et c'est on leur, on s'en prend une nouvelle ou. Si c'est un gars ici qui est plus, non, je préfère prendre un risque là, je prends un risque là. Ça, c'est un risque là. Et si son moun nan a fait football vrai, moun k'ap fait football a vraiment comprendre que c'est le choix à me faire. Si son nèg ou juste entraîné ou pas gen rythme normalement, gen c'est de tram pa ka faire, pa ka obligé ou faire avant. Donc nan k'ap Haïti normalement il est très compliqué. Il est très 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 compliqué, mais même ça me ka suggérer nèg yo, gon équipe locale d'abord. Gon équipe locale là, l'offre équipe locale là, renouveler nèg yo ki nèg ki pas bon, vous là aller, ça dit qu'au fond système pas soi. Et puis ensuite, normalement, on est à l'étranger, on prend pour fourrer. Parce que nous, on a du hein, et là, car vous le formez. Là, car vous même vous sortez. Parce que nous, on a du à l'étranger, on a du Et bon, c'est ça. Et coach Maï, il n'a pas dit qu'il faut un bon petit débat. Non, moi, je vais continuer. Un instant. Coach Maï. Coach Maï. Qui part en compétition, mais fait mal. Qui doit d'abord jouer à Haïti avec Haïti. Nous disons ça tout. C'est pas que nous-mêmes à Haïti, fédération, nous avons joué ou libre. Pas oublier, Haïti va ce matin là, matin avec Haïti. Nous voyons pas même placer si vous voulez venir à Haïti. Ça veut dire que les sélections vont jouer l'autre pays, à l'argent des frontières. Nous avons pour les étrangers que j'ai expliqué en tout. Nous avons dit au père. Faire ticket pour les Haïti au bougeant bien joué. Au bon, c'est même bien. Vous me gardez. Vous me gardez, mesdames, de vêtements. En disant, allez plus, moi, et non, puisque nous avons déjà Didier Only, Lubin Joseph, depuis Saint-Louis du Nord, et nous avons pris pour faire une analyse là, mais on a Haïti, les mêmes minutes à brûler. Et l'emterre, l'émission, bah, général, il retourne à appel là. Et nous avons pris pour oublier côté nous, et les amis, nous avons pas de idée, n'a pas pour nous entrer Saint-Louis du Nord et puis donc n'a pas pour nous retrouver coach Moïse Élisée puis c'est un débat qui est vraiment intéressant et puis donc mon point de vue pas tout m'a prend direction pas problème m'a prend direction de Saint-Louis du Nord pour nous recevoir Lubin Joseph directeur de la radio Réflexion Inter à Saint-Louis du Nord puis c'est émission ça la mettre sur la radio Réflexion Inter 93 précède Henri Alexandre numéro 104 là et puis donc c'est monsieur lui-même qui est directeur de Saint-Louis du Nord TV, qui est responsable à Saint-Louis du Nord, Saint-Louis du Nord TV à lui-même. Directeur Only, nous comptons pour nous retrouver matin dans l'espace Univers de Sport. Bonjour Only. Bonjour DG Wilfried Boutus. Bonjour toutes fans de mon cap suivre en direct Univers de Sport. C'est toujours un plaisir. Moi, c'est Joseph Lubens Only. C'est un plaisir pour me participer dans l'émission matin. Oui, c'est ça, Only. Et nous connaissons une belle rencontre après-midi à lui-même. Équipe ADVSL à lui-même qui parle pour jouer avec l'équipe Diaspora. Comment ça y est? Comment préparation? Comment ça y est, Bonnet? Bon, effectivement, il faut que nous disions que nous sommes
match qui gagne un pile préparation et que et à force que match la même objectif de ce match c'est fond pour construire l'école et na my god ça veut dire un peu mobiliser plus tard et Pat Nelson équipe Saint-Louis TV à App Live pour aller faire mon niveau vivre et rencontrer ça qui c'est ASSL qui a joué avec Diaspora Yo et j'aime dire là son match qui a joué et Cobla c'est plus qu'à construire l'école c'est une très bonne initiative. Oui, c'est ça. On lit. Bon, en quelque sorte, comment Villa et Villa, comment c'est chaud ou comment? Bon, définitivement, et nous avons dit fête la commencer. Depuis, nous avons un changement qui fait par rapport à et notre véhicule qui a fait circuler à travers Ouya, mon cap entre nous, Fécario, mon qui vient fêter. On dirait que nous avons l'autre ampleur pour fête là. Villa vraiment chauffé. Si on ne pas qu'on a l'habitude de marcher. Circulation, ça a dégagé pour conduire parce que ville se met vraiment chaud. Oui, c'est ça. On lit en quelque sorte dans l'émission Sport Réel demain soir et nous souhaitons que vous êtes capable de compte rendu comment Junès a lui-même l'itéye ce soir. Et nous remercions pour le pas, mais surtout, on a fait un travail impeccable à Saint-Louis du Nord pour Saint-Louis du Nord TV et surtout, nous qui est à l'étranger là, vraiment là, à suivre comment la caillouille, ce qui sera fait, comment va y marcher. En quelque sorte, polonais et a bonne belle image, vraiment là, connu sur le nom Maxen et puis Grégory. Et donc, nous sommes tous là, bon travail, mon ami. Et Kimbella, bon départ. Merci de Gilles Fouboutis, merci de vous attendre sur l'univers des sports. Merci et rendez-vous cassé pour demain sur TV pour nous faire un reportage, comment Machadé, comment Ville Saint-Louis. Et puis donc, mon ami, pour suivre un coup de là, je viens jeudi à live sur Saint-Louis du Nord TV. Sous Saint-Louis, oui, il y a suivi parce que toutes mes yeux que tu apprends déjà, toute matériel déjà là, toute bagaille déjà là, c'est juste en l'heure et puis c'est 6h pour nous capables de suivre le match là en direct sur Saint-Louis TV. Et merci bien, directeur Only. Salut, directeur Nemchiout pour moi. Merci, directeur. D'accord, et mesdames et messieurs, c'était donc directeur Lubin Joseph depuis dans la cour Saint-Louis du Nord. Et moi, et vraiment là, Alain, vraiment là, me retourner à nous-mêmes. Puis c'est nous qu'on est en Haïti à lui-même. En pile minute à brûler là, et en quelque sorte, on interrompt et deux bas qui t'a fait là, coach Moïse Élisée. Oui, mais la petite, moi, on a une priorité à c'est pour la Cali, c'est pour la FBA. Et nous pas un problème. Depuis c'est la Cali, c'est la Cali service. Bon, c'est ça. Bon, et allez, en quelque sorte, nous t'avons parlé concernant de, des joueurs qui n'ont pas fait sélection. Mais, coach Moïse, niveau championnat, tout, il y a un pile de ça, tout, puis c'est championnat lui-même, il n'y a pas de niveau. Si championnat lui-même, il y a un niveau, comment des joueurs qui ont relé, coach Moïse, il n'y a pas de même là, puis c'est des joueurs qui ont relé, qui n'ont pas même en compétition, c'est bon à chauffer, genre, les soldats là, mais si championnat lui-même, il y a un niveau, et nous croyons que les joueurs ont fait sélection sans problème, mais. Coach Moïse Élisée. Et Boutis, bon, c'est pas même venu, non? C'est même sélection, c'est même fédération. Bon, c'est dans tout pays, et pas même longtemps, nous avons pris sélection avec Antoine Castelli, et très bien avec l'Argentin, c'est mon oui. Et pour ça, sélection par Kébou Noyau. Yo dit, yo yo staff et joueur, yo qui est en sélection, chaque lundi à jeudi, avant de la sélection. Et puis chaque vendredi, on veut notre bio, bien jouer pour le bio pour dimanche. Tu vas faire ça. L'autre, c'est que ça a été qu'on y est. On va jouer dans le club là, mais chaque lundi, on a la sélection, chaque vendredi, on veut dans le club là pour jouer pour le club là. Mais pas rien. Ça va, ouais, mesdames, messieurs, pas hasard, je fais ça. Parce que je fais mon côté. Je fais mon côté, je fais ensemble. Seulement, pas un chemin dans mesdames autour, ouais, tout ça, on fait. Mais messieurs, même, plus mal, messieurs, ils laguent. Messieurs, même, les gens, je suis là, la, c'est donc qu'on va tailler. C'est bandioé, c'est batabit, il va au football, c'est à cap tu gagne, ça va championnat noir, pas qu'à avancer. Le jour que joueur yo, en premier, pas dit joueur yo, si on fait fatigue par goumé, après joueur c'est dirigeant yo, après dirigeant fatigue yo, le jour que moun sa tête ensemble, yo dit à faire football, n'a pas eu bon championnat. Pas ni joueur, ni dirigeant, ni fanatique yo, c'est à cap tu gagne, c'est à cap tu gagne, c'est à cap nous allons jouer là, il faut de yokale. Il t'a couru par comme ça. Ou qu'on a fait un match, ou a fait un cap pour mourir dans le camp. Et il faut un goal.
C'est pas possible. Comme qu'on y a là, nous, pays, on y a un grand soulagement, puis fort, ils ont eu, guetté qui normal, guetté qui est bon gazon, artificiel, guetté qui bien serré, qu'on y a un match ball, c'est mal, ou pas gagné. T'es bien guérillage. Au statut locataire, au cabaretien, même gens. Mais vous avez des zones, le Algonaï, c'est mon père douillet. À ce du Nord, c'est mon père douillet. Regardez ce du Nord, on voit le fait, tout le monde a arrêté. Qui laisse à fini? Qui laisse à suspendre? Nous avons dit aux confrères, dans qui pays étranger, il y a un grillage sur le football. Est-ce que l'Angleterre a un grillage? En Angleterre, il y a un public là, il passe le même côté. Mais on ne peut pas prendre mon aime que tu es un goal. Non, c'est ça. C'est là, comment ce football nous en bon. Le jour que la fédération va prendre un règlement, il faut la tout même genre. Comme quand il y a les petits gens, les gens font démagogie, ils ne font pas quoi but, ils vont baisser ce côté. Noël Sylvestre. Que des fois après avoir but jusqu'à présent le bon a joué la plaine a joué ça fait jouer après mais alors mais le jour que ils ont fait ça n'a pas eu un bon championnat une bonne sélection oui, c'est ça et avant tout Alain et n'a pas oublié ça les Wadner Benjamin mais c'est qui n'a travaillé là depuis chez les qui a suivi nous là José Woodley démarré qui n'a qu'à là avec nous là en forme qui n'a Paul et puis donc nous gagnons là et c'est tout Céleste Faustin depuis Brésil qui connecté avec nous là, qui n'a jamais pas connecté. Et on vient démarrer, dit que moi d'accord, 100%, à 100%, partenaire, on va regarder sous sélection féminine là, l'air pour mesdames, yo cap jouer à l'étranger, yo gain boule, mais yo pas bon que ça, Haïti, en termes de Haïti, vraiment là, puisque pas bon football, vraiment, qui a joué dans le pays. En forme. Osez Audelin démarrer. Alain, ou mettre continuer. Alain. Donc, pour me faire suite au cas ça que M. Moïse dit, hein. Donc, normalement, pour faire football là, car on bat que l'eau, faut créer un algorithme de développement du football là. Algorithme, qu'est-ce que vous définissez? C'est la direction technique nationale pour qui définit. Donc, son projet fédéral que le doué. Donc, ouais, que je vais attaquer une institution, mais je dis que son projet fédéral le doué. Comment? Premièrement, il faut qu'on ait que le grassroots soccer, c'est le football de base. Là. Donc, grassroots soccer, c'est là que vous faites éducation de tout le monde. Vous montrez que toute entité qui est dans le football, là, les doués ont respect, les doués et les doués ont une discipline. Si vous n'avez pas deux bagages, vous n'avez pas progresser dans ce sport-là. Donc, ça veut dire que tout le monde, depuis que les fins qui jouent le football, vous ont commencé à enseigner ça que les responsabilités. C'est responsabilité ou pas faite responsable. C'est apprendre ou venir devenir responsable. Et puis ensuite, on fait ça qu'on y a. Et parents, si moun, et public, là, qu'on y a la vie éduquée, tout pas oublier que l'on fait comparaison avec l'Angleterre. Anglais, Ali, même dans l'église, ça a mentalité. Il connaît que, il n'y a pas qu'à mettre, il y a créer des autres là, Ali. Donc, je connais que s'il a pas créer des autres là tout le temps, il n'est pas bon pour imaginer. Mais en Haïti, nous, par contre, pas comme ça. Nous connaissons que, et ça fait que, en plus, le monde, t'es qu'on utilise ça comme prétexte. Allant match football, vous êtes des autres, en tout cas. Et puis, en plus, tout, et championnat, normalement, en principe, c'est un championnat à toutes les catégories. C'est la même catégorie, on dit U15, et U20, et senior. C'est-à-dire, toute équipe football qui est dans le championnat national, là, normalement, de doué gain équipe, dans le niveau ça. Pour qui ça? Parce que, normalement, les sélections U20 vont faire, les sélections U15 vont faire, les sélections mesdames vont faire. Fédération ou bien sélectionneur là, pas qu'on a cassé tête pour choisir joueur. C'est plus facile pour eux. Donc, et puis de deux, l'école football qui gagne comme John Haïti, l'école football de mauvaise qualité, pas même gagne un formateur de bonne qualité. Tout ça là donne, avant nous critiquer les joueurs, tout ça là donne, côté le formé en tout. Si côté le formé en pas bon, ou pas gagne un bon an, pour qu'on que, et Marie ou à le récolter. Ça dit que sous besoin que moun nan don bon son joueur de bonne qualité, il faut gagner du cadre de bonne qualité de bonne qualité tout. Donc le problème c'est déjà à la base, le problème là. Effectivement. C'est-à-dire que normalement toute l'école football qui gagne en Haïti normalement doit respecter les normes et si on pas respecter les normes, désolé l'école ça va pas gagner reconnaissance. C'est clair, il pas gagner licence, pas me reconnaissance. Il va gagner licence. Et pour gagner licence normalement, faut qu'on terrain football que l'a entraîné. Il faut que normalement on structure académie et puis DTN dans lui-même, il faut que les gens qui gagnent l'école football là, normalement, il faut une formation académique pour ça même, pour gérer l'école football. Là. Sinon, ça va créer Kounia là. On va créer pas quelqu'un de football là, normalement qui n'est pas compétent. Et si normalement tout ça gagne une question, qu'est-ce qui va être les conséquences? C'est le club qui va être victime de ça.
et puis jouer football ça tout sous besoin prendre l'école football là ou doit payer l'école football puisque l'école football était dépensée pour former. Malheureusement on a une structure qui crée comme ça en Haïti et tout le monde qui a l'école football au Prince se dit que normalement c'est un plus gros problème qu'à confronter. Ça veut dire que même monde qui dit que c'est dirigeant oui hein, c'est même eux même encore qui crée des autres là. Donc là encore il y a un problème. Vous comprenez? Donc c'est tout ça qui fait que normalement c'est toute raison ça qui fait que normalement football là pas avancer on tâche pour avancer hein. Parce que ou pas qu'à faire football là car tout autant que ou pas gain des principes à suivre ou pas gain des terrain qui vraiment engagé comme c'est là qui parce que lorsqu'on déterre normalement faut là pour développer le football là toutes les corps football qu'a fait il y a une autre couche qui a fait faut qu'on ait c'est walou c'est job ou et pas arrêter chita en côté ou former joueur football et pas chita en côté seulement faut garder gain l'autre talent de l'autre côté tout. Faut chercher, faut garder. Et puis en plus tout, club football normalement, faut commencer, faut tout club football commencer une équipe féminine, puisque la fédération ne peut pas tout faire seule. Il n'est pas qu'à faire lui-même pour compter. Ce n'est pas possible. Académique en nous normalement, si elle a fait football, faut avoir au moins 5 académiques en nous. Fédération. Et j'ai gagné de là, Alain, pour non capable de dire, pour académique, nous, lui-même, nous sommes capables de se sentir là, sans problème. Mais à travers le département, tu as dû gagner l'autre centre de formation, quelque sorte de capable de faire une sorte de. Interzone, et puis donc, capable de gagner une finale là. Oui, listen. Il n'est pas obligé que c'est FHF qui fait. Non, parce non, que nous pas dit c'est FHF. Ah, ok. Oui. Moi-même, pour un club, parce que je suis un club et mon club, moi de 15 ans. Il veut prendre pour tout club national, le premier division, il faut tout le statut qui est déterminé. Il faut avoir une catégorie 15, il faut avoir une catégorie 17, et puis on a une autre division. Et puis on a une équipe féminine. Il veut pour le club déjà, que le pas respecter, que le plein va être propre. Mais, si le club pas voulu, moi, si le club pas voulu respecter ça, qui est-ce qui peut faire le club respecter ça? Fédération. Fédération. Pas oublier, il y a un petit club qui a passé et qui a cassé. Nous songez, monsieur, nous songez, l'aime pour un trois titres finis à l'Académie de football moyen, l'école de football moyen. Nous sommes là, nous parlons là, oui. Mais quand il y a. Toi, tu me dans la section nationale, une dame de 20 ans, une dame de 15 ans, une dame de 13 ans. Au revoir. Qui y a eu, qui n'a moins de 20 ans? Il s'est allé à le bouin. All right, c'est good. Oui, allez. Au revoir. Aïe, son club, yo, est de fédération. C'est pas les pour faire la carrière, ou même, ou pour que la carrière, en deuxième division, on vient plus de catégorie, on vient de féminin. Ou après le football, là, on va avancer. Mais le bio, c'est bon, il y a plein pour l'argent, l'argent. Mais je trouve que l'argent, je suis capable de là, actuellement, là, à SSL, à Vieste du Nord, puis tu vas plus faire un match de football, 40 000 dollars, ici. Vous voyez? Chaque match qui essaie de voir à celui de lui, il a fait plus que 40 000 dollars. Même les dirigeants, pas bail, tarif, pas de fermé, puis tu vas faire 40 000 dollars. Non, balancer, dépenser qui plat tout ça, ça on l'autre bagaille tout. Non, ok, on va même que je voulais ajouter, c'est que normalement pour entrer dans le football, pour entrer dans le football, il faut rendre ça que le sport management. Malheureusement, en Haïti, nous avons formation ça là qu'à nous. Bon, seul monde en Haïti, nous avons formation que dirigeant club de recevoir et ceci, tu recevoir formation ça en Chine, tu recevoir le même côté à Crespo, tu recevoir le même côté à Deco, tu recevoir Madame Oba. Et formation, ça seulement coûte 15 000 dollars américains. Ouais, Mosé dit qui est. Mosé. Parce que c'est vérité, ma baye. En plus, mon cap fait football en Haïti, il va prendre du bagage information ça. Ça veut dire que normalement, il y a une mauvaise place là. Football, normalement, mon pauvre pas qu'à faire football. Désolé, fini. Non, nous ne pas aller. Pourquoi? Parce que le football, c'est une entreprise. Et même, j'en ai un bon marchand.
soit vendre sujet mon amour son business lié par une question de petit business gros business ou ka commencer puis tout ka commencer tout dépend de côté ya lui son business et moi connais que gen moun commence dans bac machin nan qui finit pour gros donc là le dit entreprise liée qu'on façon pour approcher font et moun connait pour qui faire football sous pas connait qui gens pour faire secteur privé a fait mariage ça entre le foot et le secteur privé qui c'est deux institutions privées qui c'est deux business. Ou pas cap gain ou tout perdu ou tout voulé tout temps c'est dans ton prix souple pour aller donc nous pas cap tout temps pour changer football haïtien nous dans ton prix souple nous pas cap tout temps monde doué et nous pas doué par bien que les gars gain business li c'est visibilité la chercher c'est profil la chercher bon sous pas cap bal ça qui va venir faire sponsoring non n'est pas possible donc faut qu'on est là faut gagner en marketing faut gagner mon équipe qui gain qui gain compétence capable utiliser des stratégies pour faire moun vin nan stade et pas que quelqu'un qui son insécurité. Donc il y a des pays qui mal lancé qui son sécurité qu'à Haïti, par exemple le Brésil, mais on gagne dans Brésil chaque week-end, stade toujours presque plein. Donc c'est pas que question de sécurité. C'est pas un problème ni. Donc c'est pour ça que moun yo pas imbécile, yo pas un spectacle pendant le championnat, pas un spectacle encore. Donc mon nan dit quoi que pour ça mal dépenser comme là, c'est que ça mal regarder même voir même. Donc on y a là pour nous résoudre problème ça, le problème dans résoudre depuis à la base. Dans la formation, footballeur nous yo. Donc, si le problème arrive à la base, il y a des gens qui peuvent faire mariage sponsor. Par exemple, là, même présentation de match dans la première division, dans la boîte carton. Minority dernièrement, là, moi, la boîte carton, ça va s'énerver. Quitte ces balles, la boîte carton. Quitte ces match première division, la carton, ça toujours. Mais bon, ça va faire carton. Mais nous parlons pas ça encore. Nous comprenons que nous te fait en 90, nous avons en 97 nous fait. Mais qu'on y a là-bas, on dit... T'as évolué. Ça, c'est, ça, c'est présentation. Parce que, au monde, si présentation pas bon, on va battre, non? Faut présentation bon. Même que bah, là, t'es $100, m'a peur la gueule 500 gouttes là. M'a peur, mon nez que ça m'a fait, m'a fait un bon bagage, m'a pris un plaisir. Même que l'équipe m'a perdu, non? Même que m'a satisfait de lui. Au moment où on voit le carton, et ceci, nous parlons là encore. Et Haïti c'est une pays qui charge billboard. Haïti gagne plus billboard que Bahamas. Plus billboard, Haïti gagne plus billboard que Bahamas. Pour ça matcher pas mettre sur billboard. De toute façon ça non là c'est business à parler là, hein. C'est marketing à parler. Parce que si business non ouais que normalement, il pas gagne visibilité, pas gagne marketing qui fait, pas une publicité qui fait pour lui. Il pas investir dans football là, quoi bon. Et ceci ouais que nous va parler de business avec football là. Monsieur Reginald Boulos, on est qui est très intelligent, monsieur bon stratégie. Monsieur font coup de marketing. Allez, monsieur font coup de marketing vraiment là. Exactement. Un coup de marketing pour free. Mais si c'est dépensé là, si ça le bail là, mais monsieur là font gros coup marketing. Et chéri, zami pam depuis Montréal, enfant femme, partenaire pam, nous allons bon. Oui, allez. Son gros coup marketing que Reginald Boulos nous-même lui fait là. Ma mise chapeau, ma mise respect. Beaucoup marketing. Tout le monde parle de business, monsieur là. Bon, c'est ça. Bon, en quelque sorte, football là lui-même, coach Moïse, il faut dire qu'il y a plus d'arrêt qu'il fait. Par exemple, nous toujours avons dit que le secteur privé à Paris jeune football là. Puis ouais, jeune, il faut quoi faire un bagage. C'est ça, Watner Benjamin en forme. Sauf un bagaille qui fait les matchs ont commencé. Comment ont commencé? Est-ce que les équipes ont rentré ensemble? Est-ce que les matchs ont joué à l'air? Tout ça en ligne de compte. Et tout ça en ligne de compte, coach Moïse Lézé. Oui, tout ça en ligne de compte. Et monsieur, nous avons dit, oui. Parfois, vous connaissez un match et dehors. C'est où qui habite, qui a fait, puis l'équipe a rentré. Et qui a pensé réserver ça. Parlez d'entrée. C'est la pression pour entrer. Parce que tout le temps, nous parlons de tout ça. Et ce qui est privé à entrer dans le destin. On a tout le côté de nous. Et je me souviens, j'ai 2010, je me suis dit, on a une compète, c'est une coopérative qui est dans la ville. Je me dis, mais ça me gagne. On a un football jeune, ça forme jeune. Et mais ça me gagne. Comment est-ce qu'on fait habiller, seulement habiller avec Chasub? Chasse là, c'est petit, mais ton chasse sur Maïwa. C'est une autre couleur. On est juste que la case, il n'y a pas de bon repos. Vous comprenez? C'est-à-dire que je vais faire ma question pour vous. Je vais faire ma question pour vous. Je vais m'en aller encore. C'est ça qui est.
et je pense que moi-même, j'ai un seul homme qui a marché là. Il a marché là, pour faire jouer dans le mur. Après le coup, il a quitté nous, il a joué ce domaine. Et je pense que c'est très bientôt là. Nous avons cassé ce domaine. Pourquoi ça? C'est plus concrètement. Hein? Et puis concrètement. Hein? Il a fait quand même. Hein? Si nous allons lever maintenant. Et donc, même, ce domaine a avancé dans toute bagaille. Et peut-être nous, on manque de mentalité, nous y est. Nous, on fait bac là. Nous, on fait bac. Je viens de Michel à avancer. Je ne vais pas pousser le bout et me pousser, non. En quoi il fait bac? Bon. En tout cas, bon. football oblige à avancer. Normalement, what? Nous oblige à avancer. Pourquoi? Parce que normalement, et nous, voilà, obligé. Et par exemple, là, même tout le monde, ça, si que normalement, on a une académie qui, même genre, quand nous, normalement, laisse la fédération là pour un soulagement. Hein. Il y a un soulagement pour qui ça? Parce que tu connais que si grand académie qui sait même genre, qui développe qui par là, les jeux de compétition, là, il y a un connaît que, waouh, moi, oui, j'ai levé même. Parce que c'est ça qui peut rien. Et ceci, dans ce souhaité que son mon dirigeant club en Haïti, il faut prendre formation pour ça. Ou pas qu'à dire que vous êtes dirigeant club et puis, et vous dites que vous n'avez pas rapport à rien. Et ceci, bah, on va faire comme ça. Bah, on va faire comme si là, vous prenez le football d'assaut. Football, c'est une. Non, ça, c'est une. Bah, vous ne prenez pas le football d'assaut. Football d'assaut, là, vous avez des assauts quand même. Et nous parlons, nous parlons pour quitter le pays d'Haïti, mais avant tout, sélection nationale là, lui-même. Mais si tu parles de la Ligue des Nations lui-même, parles pour fête, la grande question vraiment là qui a posé. Et qui jouait, qui au pas relé, est-ce qu'il y a relé des joueurs qui a joué dans le championnat République Dominicaine là, vraiment là? Obligé à la obligé à la ver, parce que plus régulier, plus ou moins en forme. Obligé à prendre une au moins. Au moins, Charlie Wall, bon, deuxième là que m'a cité, même qu'on est que Yurina Abrantou, c'est Gwydenski cher enfant. Qui c'est deuxième, non? Bah, dit Baba Lito. Il y a James Lito qui. Non, il y a joué dans le club et au buteur. Il y a en forme. C'est pareil dans mon club, il y a en forme. Donc, vous obligez à laver. Mais parfois là, si tu vous dis que c'est enfant, parfois là, il y a un rendez-vous pour les jeunes et sélection 1. Et then, les pas facile à la dernière minute. Bon, il y a toujours dit que, mais c'est lui-même. Pas vraiment capable de faire sélection, mais c'est lui-même qui a joué. Là, et si tu l'as regardé, coach Moy, et si tu dans la dernière sélection, Macola était gagnant, dernier groupe blanc, lui-même qui c'est Johnny Placide, Karen Sakis, Ricardo Adé, Meshak Jérôme, Alex Christian Junior, Brian Alcéis, Zachary Rivo, Fabien Vob, Michael Cantave, Dike Nazon, Jimmy Chama Sanon, Josie Diverger, Ougen Wado Vener, Richlo Swinger, Derek Etienne, Brian Labézier, Ougen Steven Saba, Brian Chevril, et nous avons pour là, c'est dernier Goussa Makola lui-même, qui était convoqué, mais dernier 11 Makola lui-même, qui c'est Johnny Placide, Karen Zakis, Ricardo Hadé, Mecha Jérôme, Alex Christian Junior, Bayan Alcéis, Zachary Revo, Fabien Vob, Michael Katav, Dike Nazon, Jimmy Sama, Sanon, Coach Moïse Élisée. Et Brutus, je pense que c'est un enfant de Baba Lito. C'est une que c'est déjà sur la prise du temps. Mais je suis surtout frustré par une sélection. Je suis filmé à l'habitude pour la sélection nationale là. Et il faut une pré-sélection, il va aller à l'émission. Et c'est que force à l'émission. Fâché à jouer à la République Dominicaine, c'est efficace. Ben, monsieur, joyeux, c'est la main habitée à Haïti, l'ex-domaine de la main habitée, mais pourquoi tu as une sélection réelle? Réelle, ben, je pourrais. Mais monsieur, son est baron de passé, qui dit fédération, hein, qui dit ma collègue, en bleu, le musée. Parmi les tout fédération pour beaucoup, dans plus jouer, tout pareil, dans plus jouer. Et puis, des antennes, des PM pour sélection, hein. C'était cubain. Amélo Garcia. Oui, Cuba. Là, M. Vini, M. pas d'accord dicté. M. pas d'accord dicté. Je demandé que vous avez une machine, ça veut dire les patrons, là, qui fait tout le pays, là, pour les garder tous les joueurs qui fait tout le pays, à chaque côté, pour qu'ils puissent faire sélection. Et bien, avant, ça va se passer, ça doit se passer. M. allez,
m'sais allé. Mais après ça, ou pas jamais vu une sélection vraiment qui a joué un bon football chatoyant. M'pense que pays nous a un problème dans tout sens. M'pense que l'y était à nous même pour qu'il y ait deux, surtout même British qui n'a mis quoi. Pour raison réelle. Mais parfois, ok. Non, je vais à partir du dernier 11 que tu as joué contre l'Argentine. On a le Vitale. On va pas prêter un pied encore derrière. Normalement, c'est un match que normalement que c'est un match côté que nous t'es extrêmement nul. Donc, l'FC est extrêmement nul. C'est par exemple, c'est classe qui était au moins, qui était vraiment, qui était le meilleur joueur haïtien de ce match. Bon, sinon, mon seul bagage que nous parlons de côté Brown a joué, Brown Cheveux a joué, nous parlons que M. Sims joue régulièrement parce que j'aimerais que Campé 11 en son 4-3-3 pur. Donc, est-ce que on a la même Fabien Vaubank qui écoute monsieur? Est-ce que monsieur joue régulièrement? Ça, c'est la deuxième question à poser. Et Zachary Vaux, oui. Mais Zachary Vaux, coupe en titulaire indiscutable dans New England Revolution. Ça veut dire que normalement, tout ça, c'est problème. Non. C'est ça fait que nous obligés, nous allons obliger à intégrer Nex Saint-Domingue. Parce que Nex Saint-Domingue jouait plus. Nex jouait plus, c'est plus régulier. Donc, moi, on est. Donc, en temps pour nous garder que six changements, voilà, fait. Yeah, c'est ça. Bon, et moi, et nous parlons là pour nous faire un coup de pied à l'étranger, mais concernant le président FIFA lui-même, mais ça fait 17 mois écoulé là, il était pour mettre là en stade. Et rien pour tomber. Nous même nous parlons temps pour nous suivre, pour nous connaître et comment ça va aller, coach Moïse Elize. Bon, et nous avançons, nous retournons sur un sujet ça. Bon, et à l'étranger, mesdames et messieurs, nous avons surtout nous gagnons là. Championnat d'Espagne là lui-même mais pour saison l'autre année pour saison 2019 là et côté pas gagner un match qui va délocaliser et qui va gagner pour jouer pour sol américain là et pendant 15 ans mais joueur et capitaine espagnol là vraiment là championnat d'Espagne là lui-même yo campé en quoi et fantique là yo campé en quoi vraiment là puis pas venir jouer rencontre si là et puis c'est yo trouvé que négociation faite sans joueur lui-même par un clé là-dedans un coach Moïse Elize. Bon, bon c'est normal et c'est même bien que ça a passé et bon c'est tout pays c'est l'homme nous qui a fait ça bon c'est soit pour décision ensemble faut que après la carte de décision bon comme ils ont même parfois les cas à présenter à la seconde une autre solution. Bon, c'est que quand même, coupe le coude, il y a une solution quand même. Allez, j'ai jamais dit. Normalement, on s'appelle le syndicat international des joueurs. Donc, il y a tout pays européen. Donc, si que normalement, on a une décision qu'on prend normalement, il faut faire syndicat qu'on est. Donc, si on prend une décision syndicat pas qu'on est, je pense que c'est une décision qui est extrêmement arbitraire. Donc, le syndicat est exclu. Donc, ça fait que il agit comme ça. Donc, la meilleure façon de trouver une entente est par la syndicat, puis montrer ce que vous avez une décision, montrer le pour et le contre, et puis bah, c'est que pour les n'a résoudre. Mais pas oublier, avant tout, on a profité de ça, Watney Benjamin en forme, nous avons un autre homme plus sage depuis Chili lui-même, qui connectait avec nous. On a demandé aux hommes qui sont capables de continuer et partager l'émission, hein, et puis donc, l'ACPA et Saint-Louis North TV. Mais qu'est-ce que ça qui a fait pour avoir une notification lui-même en temps réel? Mais pas oublier tout, Alain, c'est on a fait de l'argent qui a fait. Et nous, le championnat d'Espagne lui-même, dans l'Asie du Sud, vraiment là, il y a des rencontres qui parlent broadcast live à travers Facebook. Et c'est gros. Et contre à la signé, Alain, c'est l'argent qui a fait. Pas oublier. Et tout en votant de match à même pas venir jouer là, il y a un gros l'argent qui va le faire, malgré que M. Pavle dit pour combien l'argent ça va le faire, mais moun qui est responsable pour faire match à même, c'est moun qui organise chaque année International Champions Cup là lui-même. Et c'est pendant 15 ans là, et au prix voilà pour 15 saisons pour un grand match, mais jouer dans le pays. Oui, bien sûr, parce que c'est comme qu'a fait. Pas oublier que actuellement, là, ils voulaient même faire les gages aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est une affaire économique. Parce que si tu n'es pas déplacé, tu n'es pas en plus de quoi tu as touché. Donc, c'est ça que je me dis. Le football, c'est un business lié.
mais un peu mon parole comme ça, parce que le football est plus qu'un jeu maintenant, hein. C'est une question de business les gars. Donc ça veut dire que normalement toute décision qu'a prendre en football là normalement c'est parce que yo voit que comme là a fait, yo voit que côté a fait comme là. Sinon il va pas prendre. Vous comprenez? Donc ça toute décision pour faire Liga et game match Liga pas jouer aux États-Unis bien que bah pour qui ça. Mais un match, un grand match. Liga un grand match c'est parce que normalement stade États-Unis qui est moyen ça, Liga infrastructure là, Liga moyen pour recevoir même des milliers de monde dans le stade, les capables. Et dans le marketing, il est très fort dans ça. Nous comptons ça, monsieur. Nous vivons aux États-Unis, nous ouais ça. Donc, on gagne le match après seulement, la bâtir en pile monde, en pile monde, en pile monde. Et ceci de toute Caraïbe, de toute Amérique du Sud, la venir pour regarder le match. Parce que imagine le second classique au Cap joué. Par exemple, aux États-Unis, et le match, ça l'a compté pour le championnat, et l'a compté pour Liga. Même monde qui a Haïti qui est moyen, la fait sacrifice pour le réussir, pour le Messi du purée, la fait. Vous pensez que les gens qui n'ont pas fait effort à tout, vous pensez que les Mexicains n'ont pas fait effort à tout, les Canada et les États-Unis, on coupe en quête seulement comme la fait. C'est ainsi, donc c'est comme ça que. C'est pas seulement comme la tout, en termes de popularité à tout, ça allait là dans tout. Oui, les gars, ils sont plus connus qu'on y a. Donc si match, si on fait. Les garçons que marketing n'y fait, non seulement elle a fait l'argent, plus ça gagne, plus imagine, plus tout le monde va plus sous les gars. Pas oublier que les gars ont un gros concurrent qui c'est la première ligue en Angleterre, c'est une chaîne qui peut regarder dans le monde, hein, première ligue. Donc, son stratégie au fait, plus au cas égal les premières ligues. Et si nous, première ligue, on va parler là, Alain, si tout dans le dernier exercice en termes de rapport qui baille, pour les gens qui entrent dans le portio là, dans le pays de l'Angleterre, on garde dans portail, c'est un 5% hein. Ça me permet club yo capable jouer avec un stade classé mais à savoir stade mettre empty. L'argent déjà fait oui là parce que les droits de retransmission en lui-même c'est là où j'ai l'argent et en échange. Et oui bien sûr, c'est que bon oui, non seulement ça tout et il faut ajouter aussi en Angleterre même match 4e division ça te plein. Match 4e division en Angleterre ça te plein. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que stade empty, hein, ça presque pas existe en Angleterre. Dira pour que un stade empty en Angleterre, sauf si Manchester a joué avec lui. Mais généralement, les Anglais aiment le football, donc ils sont pas arrivés. Ou ils ont inventé le football moderne. Non, dans le bas, ils ont inventé le football moderne. Non? Donc, ils sont pas arrivés à l'ADN. Ils ont pas regardé le match de football. Donc, généralement, même en 4e division, ils ont plein tout stade. Donc, cela veut dire que normalement, son question de l'argent qu'on a brassé, son question de quoi oublier, son question de. Donc, c'est beaucoup. Nous avons fait football en Haïti, beaucoup de penser ça à Konya. Donc, nous très loin. Nous ne sommes pas des camionnettes là, nous sommes à terre. Et si le football a été vraiment organisé, écoutez, je suis sorti dans le centre de formation, qui a décroché un contrat à Alexis Guerre, ou bien. Et ils sont dans le centre de formation, ils sont intégrés dans le club, et puis à travers le club, ils ont fait sélection, et puis donc, on a une sélection qui est très forte. Mais, c'est gros l'argent. Là, je vais aller tabac décrocher mon contrat. D'abord, la vie, je vais changer. Je vais avoir une vie meilleure, et puis donc, famille, et puis des revenus que je vais aller même parler là, la balle famille, et puis donc, après, je vais retourner pour le club de formation, le club côté table jouant. Et on partit à baler dans la fédération et puis donc on partit texte à baler dans travers dans caisse l'état mais nous c'est bêtisé n'a bêtisé bon et coach Moïse nous gagnons fédération Iguen de football là et fédération ça là les mêmes gars pile problème là la FIFA au même vraiment là qui décide puis on prend fédération ça sous contrôle yo et côté la FIFA au même vraiment là et on prend contrôle fédération Iguen de football là les mêmes et côté au grand comité les mêmes et il y a un pour mandat là pour capable organiser élection le 28 février 2019 qui a venu là et nous croyons que président les mêmes vraiment qui était démissionné et dans fin juillet coach Moïse Élisée et moi c'est pas étonné parce que la FIFA c'est instance football là même. Et actuellement là, et Argentine, je ne sais pas quoi que le président de la fédération. Argentine, il y a un président maintenant, il y a un président.
Il y a un président. Il y a un président, c'est une élection. Eh bien, ok. Moi, c'est un problème. C'est un problème au Japon, au Pérou, côté où tu demandes pour le gouvernement pour le président démissionner, et là, ça va d'accord. Par exemple, la FIFA, son institution non gouvernementale, il n'y a pas avec le gouvernement. Ok, bagage. Ce qui a passé, c'est dans ce football-là, c'est Fédération qui a filé à FIFA, c'est lui qui a intervenu en premier. La intervenu en premier, là-bas, tout le monde est fonctionnaire, vous allez vous mais ça vous fait dans l'immédiat. Ce n'est pas fait tout, l'État retiré et affiliation qui avait là, pas oublié, affiliation, c'est affilié à FIFA. On voit. Et moi, c'est bon que, la FIFA, tout lui-même, qui bat, puis fait football à jouer dans toutes bonnes conditions, pas oublié, et nous, tous du football, c'est une bonne équipe de monde. Nous, un dernier match qui fait dans le monde entier, c'est les États-Unis et puis l'Iran ou bien l'Irak, dans la Coupe du Monde. Vous savez? Ouais. Et pendant États-Unis, après la Goumé, et puis États-Unis, après le football, ouais, chaque joueur peut se faire pour chaque joueur. C'est des belles bagailles. Football, c'est l'union liée. C'est ça qui fait apprendre. Je pense que parfois, les fédérations ont fait du temps avec les fédérations, avec les clubs de tout. Ça fait que les gens ont révolté contre les fédérations, aussi les présidents de fédérations. Nous, nous sommes passés dans le pays, nous. Nous, il n'y a pas de pays, nous. Parfois, il n'y a pas de pays, nous. Élection faite dans la fédération haïtienne, et il n'y a pas d'accord. C'est si ça a vu une feuille, et même dernier barré, bon, quoi, mais tout le monde d'accord. Et puis donc, okay. et puis donc 20 sous 20, anyway. Bon, et oui. Nous sommes capables là, si tout, on paraît qu'il y a avantage, et si tout, pour vendre un billet pour Coupe du Monde, et il y a quelques organisations, puis il y a ville prix, ils font pas en façon, et puis c'est tellement qui peut jouer là. Tout ça, allez, en ligne de compte, allez, Jean-Jacques, Mehdi. Bon. Actuellement, la FIFA oblige, pas oublier que la FIFA était pour un gros coup en 2015, et côté que tu as FIFA Gate, côté que FBI était. Côté que tu étais dans un scandale de corruption. On a la FIFA, on a besoin, ou redorer blason, les besoins de contrôler le football. Là. À n'importe côté, il y a un problème, il est toujours intervenu. Pas oublier que, à cause de ça, on a la dernière 29 ans, on a la livre le plus. Divin voulait plus transparent que Blatter. Parce que Blatter dit même que c'est un débat que tu as fait dans FIFA, que un peu de monde ne connaît vraiment. Ne pas vraiment connaît la procédure de vote, ne pas vraiment connaît combat, vraiment. Donc, avec scandale ça qui est éclaté, donc, Gianni, qui sont avocats de profession, donc, il est obligé, comme si là, créer un pile d'activité, créer un pile de transparence. Mais, allez, il y a tout. Utiliser des stratégies pour gagner une vote là, non, on est président de FIFA, c'est comme son politicien. Donc, on va dire que nous, que Gianni est un avocat de profession. On est, il compte ça pour le faire que pour toujours, mais puis, il faut un match qui a joué Kounia là, tout document doué, écrit et signé. Ça veut dire que normalement, si on va être transparent, qui fait la soupçon de corruption, on connaît que normalement, on va en prison. Et ceci, la FIFA va vouloir retomber dans le bas, parce que c'est un gros coup d'ulté pour eux. C'était un gros coup d'ulté. Et en pile, mon tête, mon tête, dans le bas. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de problème pour ça encore. Ça fait que n'importe quel côté football, il y a un problème. Et il résout automatiquement. Donc, si le problème, nous avons. En Haïti, si aujourd'hui, là, on a un problème en Haïti, aujourd'hui, là, nous faisons élection en Fédération haïtienne de football. L'élection, pas bon. Le problème, c'est celui-là. Pourquoi FIFA vous quand même venir régulariser ça? Parce que vous voulez montrer le monde que vous avez contre le football. Vous ne voulez pas que le gouvernement ait contre le football. Vous ne voulez pas que le football est son business lié. Et même si tout le monde business là, quand vous parlez de la contrôle, ils sont faits. Vous mettez tout soutien en place pour qu'il contrôle. Donc c'est ça que FIFA a fait qu'on y a là. Ok, c'est ça. Et puis nous avons là le président Union Open Football Association lui-même en parlant de. Alexandre Serefin, monsieur là, qui est candidat et qui est candidat pour réélection, lui, dans tête FSA, héros Amine Alain Jean-Jacques. Donc, Union européenne de football, donc nous reconnaissons que, en plus, la loi qui est faite à propos de FIFA, c'est dans l'Union européenne qui a développé avant. Par exemple, Goal Line Technology, donc, par exemple, un arbitre qui est derrière la ligne de but,
et nous voyons que normalement quatrième changement qui gagne en prolongation, donc c'est même UEFA qui n'a pas quelle bonne loi dans le football là, c'est eux-mêmes qui commencent une nouvelle. Donc nous voyons que ça vient pas que niveau football européen vient très avancé. Nous manquons que normalement transparence qui fait dans la transparence dit que plafond financier et fair play financier normalement club doit respecter dans plus structure. Donc, cela veut dire que normalement, pendant que M. le Président, nous voyons qu'un pile bas a commencé à faire en Europe, et nous voyons tout normalement, et je viens bénéficier tout de Platini, parce que le Platini était là, tout la fond coupe de poireau, dans 11 pays différents. Donc, je pense que tout ceci montre que mais comment bah, a bougé au niveau de l'Europe, non seulement toute loi, en question économique, tout, qui est entré là-dedans, qui a fait une question économique, mais où est que normalement, il voulait que pour tout le monde involve, tout le monde participer dans cette compétition. Ça. Parce que tant que plus on est tant plus l'argent à prendre, tant plus on a bénéficié de lui. Donc, moi, c'est que normalement, si que CONCACAF commence à faire le Kounia, il fait la petite pas. Si l'autre fédération commence à prendre mesure pour faire tout comme ça, tout, moi, c'est que le niveau football là, va vraiment augmenter. Et ceci, il y a l'autre monde, il y a l'autre pays qui va commencer à lever tête avec le temps. Écoute-moi, et nous avons là, et si tu en Europe lui-même, et là j'ai brassé, et pour participer dans la compétition, écoute Moïse, c'est l'argent qui est entré dans le poche, sans problème, debout dans la compétition, là où déjà fait l'argent. Ou avancer dans la compétition, et bon, où tu arrivé champion, c'est quoi l'argent qui fait, coach Moïse, Élisée. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, même, c'est ça. Par exemple, dans le cadre là, les États-Unis qui ont boumé là pour Coupe du Monde 2, je suis là, parce qu'ils ont intérêt. Pas oublier Coupe du Monde qui met plus de spectateurs dans le monde là, de tous les temps, les États-Unis qui avaient 14. Et dans le cadre de la FIFA, monsieur, président FIFA, joue en bas intelligent. Pas oublier, plus gros conseil gagné, c'est Figo. Figo sont anciens grands joueurs de football dans le monde là. Pas oublier, puis jouer qu'a fait, qu'a modifié le WASP pour la boule, et puis go conseiller à l'Isseven Bassin. Deux mecs qu'a conseillé le WASP pour la chasse. Chaque 6 mois, les gens ont le WASP, ils changent le jeu là. Et par exemple, de nouveau le WASP qui va ajouter la terre bientôt, quoi, dans le séance, au bio, tout le monde va changer. Quoi, dans la pénalité, il va changer. Depuis gardien, Kembe, pénalité à Kembe net, par exemple. Depuis, c'est seulement des bigoles. Tout c'est de nouveau qui a changé notre là. Et ce bon là, c'est au marketing, c'est au business lié. Et c'est nous-mêmes, Haïti, nous-mêmes, nous allons entrer là-dedans parce que nous pas qu'à faire business. Nous allons faire business. Les jours que, en Haïti, nous-mêmes, nous faisons business, nous n'avons pas fait d'abus dans ce bon là parce que ce bon là, c'est au business lié. Voilà. Nous n'avons pas, oui. Ma vie, juste une petite idée. Ou juste créer un nouvel ordre mondial du football haïtien. Ça dit que tout le monde qui vient comme yo commence à rentrer au football là et puis tout le monde qui l'a, on va l'obliger à battre là. Mais comment on a fait, il n'est pas mettre au dur tout de suite. C'est faire, c'est entrer, et puis petit à petit, eux sous que vous pas compétent par information, bah bah, font notre activité. Ou quand toujours dans le football là, mais ou pas comme dans le board director, ou pas comme là-dedans. Parce que, pourquoi? Parce que si que normalement le football là avance normalement, faut gagner monde qui gagne de nouvelles idées, de monde qui gagne de niveau de pensée qui très haut pour qu'il y ait du football là. Parce que ou pas qu'à résoudre le problème avec même niveau de pensée, ça moun yon là. Non, c'est pas possible. C'est ça que gagne, oui, absolument. Imaginez que notre football, formule un football là contre football là. Même j'en tout, l'État est un bon nom au terrain, formule un travail géré terrain pour là, contre qui j'en géré terrain. Pas bien, moun qui a une formation pour gérer terrain, c'est pas lui au point pour gérer terrain. Ça fait le football terrain, mais tu dis, ferme chaque jour. Il ferme 24-24, seulement les accidents à entraîner, les accidents à bien ouvrir. Si moun pas à côté pour jouer, ça donne un problème, ça ferme des gains. Et tout, une discussion avec. Oui. Pas de problème. Nous, tout club qui a un terrain, mais que notre club en principe est stade. Par exemple, vous avez parlé de stade. Normalement, ce n'est pas l'État qui doit faire stade. L'État pas drôle, ça. Il n'est pas l'État fait. L'État doit faire stade. OK, il doit faire. Mais en principe, on a parlé de foot, on a parlé de business, c'est club qui fait stade. Kounia, là, si il y a une compétition, fédération doit dire, ah, mon cher, moi, je veux stade ça. Je veux ça. Quand un club là, lui-même, va acheter la fédération, dit, ah, mon cher, connais ce stade, moi, il est étudié, c'est qu'il n'y a pas de responsable. Et puis, il y a une enquête qui fait, il y a ceci, cela qui fait, papier signé légalement, et puis, vous pouvez tester là, puisque c'est comme qui va rentrer. Comme ça, ça va rentrer en tout, le club va bénéficier de l'île en quelque sorte. Vous comprenez?
Et imaginons que Stati Jokato normalement, malheureusement, il gagne 13 000 places assises. Sous mes souffles, et mon pile sous pile après 20 000. Stati ça, il y a plus de conditions FIFA, c'est pour ce que normalement, tu es un réglementaire. Uniquement que ça. Et une condition que FIFA utilise que condition réglementaire. Mais soit pour même Stati Jokato, mettez l'indice de stade de l'UFA, il parle d'un stade de catégorie 1. Par exemple, Stade Paris FCA, qui sont comme de deuxième division en France, c'est pas une division, je me souviens pas trop. Il y a plus place que Stade placé, il y a plus place que Stade National et Stade Civil 4 là. Donc cela veut dire que Haïti besoin d'un stade. On va rendre côté la fête, mais les doués nous besoin d'un stade qui prend au moins 30 000 places, par exemple. 25 000, 30 000 places plus ou moins, oui. 30 000 places, oui. Nous besoin d'un bon stade normalement qui fait dans toutes bonnes conditions. Il n'y a pas besoin d'un stade de catégorie 4, même j'ai un gros stade Bernabéu, non, on n'a pas besoin de ça. Mais au moins, il faut un stade qui gagne dans Figi. Oui, c'est ça. Nous besoin de ça. Oui, allez, nous avons une question là concernant des Rose et Woodland Démarré. Il m'a donné une petite nouvelle sur Jouet Sao, Belfort, Sébastien Thuyer, Réginal Goué, Yobaka Joué encore. Goet est toujours dans le standard de Liège en Belgique. Le dernier match que Goet a joué, c'était avant le mondial là, que le match standard est joué. Mais après ça, le dernier match standard n'est pas vraiment titulaire vraiment. Donc, Thuriel est même dans l'exil, il est juste en Asie. Donc, Bakan Kote l'a vu vraiment. Donc, nous n'avons pas une nouvelle, vraiment. Donc, c'est ça le problème. Donc, nous pas Belfort. Nous pas... Et Belfort non plus, pas contre qui ça l'a réglé exactement. Pas dit que par en compétition, parce que pas trop qu'on est. Pensez que normalement, et s'il est en compétition, normalement, il a fait tout le monde connaît. Parce que si on est très actif sur les réseaux sociaux, hein. Très très actif. C'est que il était en compétition, tout le monde a bien trop qu'on est. Donc, pensez que, et ces derniers jours, normalement, le niveau de Belfort dans la sélection nationale a complètement régressé. Si on a fait une analyse honnête, normalement. Donc, niveau muscle extrêmement baissé par rapport, on dit que normalement, il était gagné un peu de blessure tout. Et dernière activité, là, que l'étape de Turquie en deuxième division. Donc, il était une plus mauvaise saison que j'ai fait avant comparé à Améka 2016 ans. Puis, monsieur était venu à jouer en Suède, en l'autre côté encore. Puis, monsieur venu à en Suède. Monsieur est venu tellement inconstant dans le club. Ça a une fait que Kounia là, tu te doutes maintenant, est-ce que Nexa Kounia là, est-ce que River en place dans la sélection nationale là? Est-ce que, mais actuellement là, il n'est pas vraiment. Actuellement là, c'est un monde que nous n'avons pas vraiment de nouvelles de l'étude, malheureusement. Donc désolé de décevoir monsieur. Mais c'est même penser que normalement, il faut monsieur star à mon côté et puis lui jouer normalement. Pas quand il côté là pour lancer carrière, mais il faut star à mon côté pour lancer carrière, pour permettre une nouvelle. Et ceci, l'APCA plus ou moins évalué. Et sélectionneur l'APCA évalué, monsieur, mieux. Et l'APCA, que si monsieur mérite de placer ou pas. Quand il y a Yuxi Peter, dit Belfort, c'est un cap pour mener. Et puis donc, Yuxi Peter, dit non, coach Moïse, si il y a un stade, il y a deux fesses stade là, dans le grand Sidlan, coach Moïse Élisée. Si il y a un stade dans le grand Sidlan, si il y a un stade, il y a deux fesses dans le grand Sidlan, selon Yuxi Peter. Bon, il n'y a pas forcément dans le grand Sidlan, non? Et je comprends que le sud là est presque son plein milieu. Mais pas oublier, l'un monte en haut, l'un quitte Saint-Marc, l'autre à Savane, désolé. Regardez là, Savane, c'est Vierge. L'autre quitte pas pour mon titan, c'est une zone Vierge. Mais soit pour un gros stade, c'est une zone Vierge. Vous faites, Haïti Vierge, yo. Haïti Vierge, nous d'un côté, toute petite force débattement, yo, t'as fait un paquet de gros stades. Seulement, c'est nous qu'on est, pas rien gourmet, pour ne qu'à choisir, puis faire dans la zone par eux, on continue à payer nous.
Pas obligé qu'un groupe, mais tout simplement, Grand Sud là-bas, que Grand Sud là a un problème. Grand Sud là a un instant, mais pas oublier que normalement, et ils sont terre qui plate, normalement, faut faire étude terrain et tout faut et examiner le paramètre. Par exemple, que nous connaissons que la saison cyclonique, est-ce que son côté qui est inondable? Ça fait un, est-ce que le côté a fait porte qui n'en, est-ce que son côté comme si là qui est empêché et il garde son fait? C'est tout bas, ça, c'est tout. Et plan ça qui vous étudiez pour faire un stade. Imaginez que pas bien dans le stade, il y a une toilette. Toilette, normalement, l'offre fauché tout bas à ça. Il faut qu'on côté que de l'eau aller pour l'irriguer. Donc, si, est-ce que quand on va boucher, si le boucher, ça va causer inondation, si tu as un gros là, puis là, ainsi, on ne va pas patata. Il faut qu'on fasse toute étude ça. Yo. Par contre, ça en désolé, lui-même, on va quand un type de terre qui vient là. Nous connaissons une grosse sécheresse dans la zone, ça. Il faut nous mettre tout. Il faut nous faire étude, il faut nous mettre tout dans ça. Qu'on sécheresse qu'on y a là. Est-ce qu'on a la gain sécheresse qu'on a qui plané qu'on a pour faire de l'eau gain assez si fort parce que faut ça la gain fort gain fort gain l'eau qui entre dans ça là parce que là je vais finir mon match bon faut doucher. Est-ce qu'on a non on fait pas sérieux qu'on y a faut que dès je vais finir mon match faut le doucher. Faut bien sûr la conférence de presse faut gain de l'eau pour pour mon ben qu'on a faut tout bas ça en désolé là que pas bon mais terrain par contre j'ai terrain et puisque m'ba géologue m'ba ingénieur non plus. Il faut contingent est-ce que terrain ça qu'on y a là est-ce que terrain ça est-ce que les propice à la construction d'un stade et tout bagarre ça avec les nègres qu'on a tout vous comprenez donc équipe côté vous faire stade mais m'a pas dit c'est tel côté et tel côté vous faites parce que m'a ingénieur non ça il se plus Hello? Moïse, Élisée. Non, j'ai un oui. Là. Et nous avons là David Massin-Fleur, il dit que stade de le stade dans le pays. Ah oui, effectivement. Mais stade là, lui-même, ça ne veut pas dire c'est direct. Et dans telle zone. À zone, le pays lui-même, il y a un stade qui est capable de recevoir un match international. C'est ça qui est plus important. Tu dois lui en forme. Coach Moïse, Élisée. Bon, j'ai un confrère à l'India, c'est exactement les saliers. Moi-même, je suis allé faire un stade dans les fédérations nord-ouest, puis prenne. Mais il faut que l'argument et les normes soient respectés. On pourrait faire un stade de l'autre côté. Moi, je ne vais pas réagir, je ne vais pas adorer. Mais mon piste atterrissage pour faire nos zones, il faut que les ingénieurs inspectés viennent sur ces sols-là. Est-ce qu'il y a un caractère normalement, est-ce qu'il y a un terri, c'est carré monté? Est-ce que côté ouest de là, est-ce que nomio normal respecté? C'est ça qu'on dit qu'on fait aller. Ton nom non respecté. Est-ce qu'il a dit faut ça dans telle zone, dans tel département, non? C'est nomio, est-ce que y a respecté? Bon, c'est ça. Tu l'as qu'à là et n'a pris des bonnes puis c'est là, nous besoin de l'autre stade. Certes, ils ont gagné dans les mêmes. Ça va nous empiler la tête, fait mal. Dans d'autres informations, on a parlé vite pour aller conclure là. Et c'est tout, nous gagnons là, et Cristiano Ronaldo, monsieur qui est en liste là pour finir comme meilleur européen, mais gagnons là, et Cristiano Ronaldo, notamment Luka Modric ensemble avec Cristiano Ronaldo, Luka Modric qui l'a joué encore là, et Luka Modric, Cristiano Ronaldo, on va mettre ça là. Au moins, mais ça là, je vais aller pour la FVC, hein. Vraiment là, c'est toi, mais c'est ça là. Ça là. Ouais, je suis là pour voir qui est-ce qui va remporter. Mais je vais européen là, mais n'a pas rappelé que Cristiano Ronaldo lui-même, c'est joueur qui t'a gagné, trophée ça, et semaine. Amine la saison dernière, même ici là qui est en sous liste à tout. Mais concernant, pour moi, mettre ça là, et coach Moïse, il va dire se mettre ici parce qu'il fait un bon parcours avec l'équipe là, Liverpool, là, même dans la Ligue des Champions. Côté Miss Tap Marketing Goal avec Trident, Manio Sané, et puis donc, Manio Sané, ou t'es gagné là, et Mohamed Salah, ensemble avec Roberto Firmino. Et bon, et même, je crois que Mohamed Salah parle remporter et tout ça.
moi-même, je veux une belle saison. Je veux une belle saison. Côté Limaké et Petiti, c'est de l'Européen. Ils font belle partie des champions. C'est une belle saison. Même pas après, Mohamed Salah, avec suffisamment d'arguments, puis d'avancer et Luka Modric avec Cristiano Ronaldo, qui fait une plus belle saison, qui a porté des titres et individuels et des titres collectifs. Oui, et allez, avant nous, je nous là, on a fait interaction avec Zami Otou. Gen Yuxi Peter dit que, David Marcel a dit, est-ce que c'est le secteur privé hein, ou l'État pas qu'à faire stadio? Et puis, donc, Yuxi Peter dit que, il y a un gros terrain qui a un pile chaos de terre, mais il a prévu pour faire un airport international là-dedans. Mais il y a fait un pile bagaille là-dedans, que c'est un espace qui vraiment gros, c'est pour ça qu'il a quitté le terrain ça là, parce que les dirigeants ont descendu là-dedans déjà. Bon. Et okay. Donc, je vais parler de si c'est à cette. C'est un, ça, c'est à cette supposé point toute bagaille. Ça, là, pas de cas, il y a un titre, ça. Et, on allait, coach Moïse Élisée, concernant de David Massé Flamandé, est-ce que le secteur privé ou bien l'État, pas qu'à faire stade? Oh, c'est que, l'État, qu'a pour faire stade pour, mais les conditions, c'est que le privé a aussi qu'à stade pour. Et parmi les gars de la Atlético Madrid, actuellement là, qui a joué son stade de poulet salté, mais qui fait pop stade pal, bon, c'est l'État lui-même, là, fait ça là pour, en fonction de politiquement. Maintenant, qui peut se gagner, qui n'a pas fait deux épargnes dans le département là, car il goûte, mais vous voyez ça là, et c'est qu'il y a pour aller même la fait ça là en fonction de rentrer. La fait ça pour lui-même, qui peut aussi malgré et puis faire ça là. C'est ça que l'on va défendre. C'est privé, on va investir comme côté, puis pas vu entre nous. Non! Il faut investir comme côté, puis même là, on va entrer par là, ça va investir. C'est tout de cas pour ça. Faut des cobles à vous. Faut des cobles à faire. Il y a fait cobles là en retour. Oui, non, nous devons l'avoir. C'est le même genre. Un bon état, les droits de Dwight York, ancien joueur, et Manchester United, et Trinidad, c'est un gros stade pour Trinidad. Mais ils font cadeau de nos superstars. C'est un grand plus gros superstar de football et dans l'Europe, qui était notre pays pauvre, qui a fait gros bagues à la caillou. Par rapport à Boris Moyen Menyo. C'est un des textes qui ont demandé que Jacques Pierre voulait faire un stade et le Hogan. Alors ça, on entend comme ça, on a mangé. Il m'a donné encore. Bon, c'est pour l'État, c'est politique. Politique, avec un sénateur. Mal défendre le pacte maintenant pour nos stades. Mais pour ce qui est privé, les mêmes sont corps, ils peuvent mettre dehors pour faire un réunion. L'entrée là, non, sénateur, là, voilà. Ils n'ont pas fait besoin de manipuler le peuple là tout. Depuis qu'ils ont entré, j'ai une position. Ils ont oublié toute promesse. Bon, okay. Allez. Et vous avez avancé au premier avant nous pour aller. Oui, chaque fois, on est là. Ils ont promis tout pendant les candidats. Et puis quand bon, on va entendre yo. Gelo pa na gelo ki honnête. OK, d'accord. Nous va mettre tout dans même sac. Mais anyway. Bon. Allez, n'a pas avancer là très rapidement et concernant Cristiano Ronaldo, monsieur là. Le ouais, Cristiano Ronaldo et Luka Modric. Bon, tous les deux messieurs ça je pour Real qui gagne Ligue des Champions. Mais Cristiano Ronaldo lui-même c'était donc meilleur buteur dans la Ligue des Champions hein, et puis donc qui était vraiment là aidé l'équipe Real Madrid là c'est tout là que Real Madrid là était vraiment en difficulté et monsieur lui-même qui était arrivé cap marqué goal mais concernant Luka Modric avec la Croatie mais qui était joué finale avec la France mais pour Cristiano Ronaldo lui-même qui était arrivé dans 8e de finale donc capable voilà bataille là c'est entre deux Nexao et allez Jean-Jacques Mendy. Bon, au fin de parler, donc normalement, c'est vrai, tous les trois négions, en de Mohamed Salah, Modric et Cristiano Ronaldo jouent une très belle saison, mais si que n'a fait décantation, si que n'a metté Salah dehors, parce que Salah lui-même, dans le mondial là, normalement, à cause de. Bon, Égypte perd tous les trois matchs, donc
Mohamed Salah pas joué un bon mondial parce que ça donc Cristiano Ronaldo lui-même n'a vient pas être en deuxième position donc c'est vraiment bien commencé donc tout le monde espère que Portugal est en deuxième finale malheureusement donc il va pas arriver mais Modric même là il partant hein, pour un maillot d'or il partant tout pour un ballon d'or là ballon d'or en football là il partant tout pour un ballon oui pour les trois titres normalement mais Gomba qui a joué contre Modric, ça va dépendre que de qui j'ai coupé du monde que la va le passer. Ça va dépendre de qui j'ai ce match cette année calé. Mais si saison mais Alain, c'est on va parler joueurs de la FIFA. But, mais en termes de joueurs européens, c'est pour donc fais-moi oh, ça. Joueurs européens que bah Modric a fait hein. Bah lui c'est Mario hein. Bah lui c'est Mario d'or. Bah là fait. Emmanuel Bernard en forme. Bon dis-nous pour jouer européen les mêmes mais si tout. Modric oui. Si comme négatif. Puis c'est tous les deux joueurs ça on a même club et Coupe du Monde les mêmes. C'est quoi pour en Ligue des Champions c'est des barrages différents mais pas oublier et pas oublier le Camerounais qui a pas remporté Coupe du Monde là. Mais Cristiano Ronaldo lui-même c'était un gros acteur de titre Ligue des Champions à Real. C'est ça capable jouer gain mais Luka Modric. Mais si Luka Modric gagne pas tout nous s'il gagne en plus mon ami. Pas oublier que normalement Coupe du monde là c'est vrai pas même championnat avec Ligue des Champions c'est vrai mais Coupe du monde là fait poisson balance en tout. Yuxi Peter, pas étonnant si vous avez le Luka Modric Ballon d'Or. Pas étonnant si vous avez pas étonnant Yuxi Peter, pas dit que il n'y a pas Ballon d'Or. Et puis c'est là tous les deux, nous connaissons que capacité. Mais si vous regardez strictement européen, si vous les pensez strictement européen, si vous avez Cristiano Ronaldo, tout le monde n'est pas bon héros non plus. Et on a appelé pour Yuxi Peter. Nous savons qu'avec l'arrivée de Infantino, Gala qu'on fait en janvier, mais l'année dernière, il n'y a pas fait en janvier, non, Peter. Il était fait en mois-octobre. Il était fait en mois-octobre, attention. Bon, et puis donc, pour jouer européen lui-même, mais c'est pour 20, on croit que c'est pour 27 de ce mois, et Alain Jean-Jacques m'a dit. Donc, voilà, comme je l'ai dit tantôt, donc, ça va dépendre de critères, parce que si il n'y a pas fait critère strictement européen, donc il s'en a de grand chance sur Modric, mais pas quand c'est considéré mondial là. Modric a une grande chance sur Cristiano Ronaldo. Si on considère mondial là, Modric a une grande chance sur lui, mais si on fait la strictement européen, côté que c'est Ligue des Champions, puis saison et année civile, là, Ronaldo a pris affaire, il est très calme, il a pris affaire. Mais ça que. Vraiment, écoute Moïse, ça qui vraiment, je ne peux pas comprendre. Là, on parle des meilleurs joueurs au Ballon d'Or. Il résume en attaquant, hein, man. C'est moi qui résume qui me dit plus de là, là, là. Si on n'a pas parlé de ça, monsieur. Voilà. Écoute voilà, Moïse, réalisez. Je ne sais pas sous même longueur de la veine, mais même moi, c'est qu'on s'allie. Le résume Ballon d'Or ou bien meilleur joueur européen lui-même, c'est moi qui fait plus de là, là. Bon, moi pas quoi. Et parce que j'ai confié à Dia, ça va être des critères entre Modric avec Ronaldo. Et s'il y a pas de des champions, championnat et Coupe du monde là, m'pense Ronaldo comme Modric. Mais c'est pour Coupe du monde là, il va être critère, m'pense Modric a bien. Et c'est ça gagner parfois, nous pas j'aime compte qui critère là yo mettez dehors pour gagner tout ça. Par les Coupes du Monde, là, parfois, ils comptent tellement bouleverser le monde, ou par contre, qui critère. Et regardez là, on a foncé ou là, goumé là, pour Griezmann, pour Ballon d'Or. Ah, et pour Griezmann, Ballon d'Or. Oh bon. Et Griezmann lui-même, pas pour un petit individuel. C'est collectif, et les plus quoi. Mais on a le dos, même lui, pour individuel, lui, pour collectif. Et pourquoi Griezmann, et yo prend c'est toi et au pas et au pas et puis donc ça gagne super coupe d'Europe là là de au Real Madrid. Bon même c'est lui même juste en 4e position mais l'en a regardé là
même si Kessan a dit, la n'a pas de Luka Modric. Oui, je pense que bataille pour moi, non, entre Nadou et Modric, ça, l'IUE qui est sous critère. Et deux joueurs qui sont dans le même club, et même là, il y a un nom qui garantit à l'autre dans ce club-là, qui compte plus jouer parce que Nadou, son but est là, par les Modric, ils sont vrais football pour le football. Qu'a fait, je là? Je pense que c'est oui, et lui, il y a un critère pour déterminer qui est présentant après le joueur et l'ouvrir. Je suis d'accord avec tout ça que nous disons là, mais à dernier de la présumé, coach Moïse Élisée, que nous sommes une longueur d'un honnête, et ça n'a pas un problème. Idéologie capable différente, mais ça n'a pas un problème. À dernier de la le résumé là, ballon d'or, ou bien meilleur joueur, ou bien lui-même, le résumé en meilleur attaquant. Monsieur, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous parlons, c'est point de vue PAM, parce que Cristiano Ronaldo, c'est un buteur, pas qu'il a sorti de ça, il a sacrifié, connecté, il a pas dans un moment qui était fait, et là, on va pas analyser en termes de pour critères et tout, dans un moment que le joueur a fait goal là, l'équipe a été en difficulté, tout ça allait en ligne de compte, mais à des ordres de c'est buteur, c'est buteur, monsieur, moi, je dis pour nous d'accord avec moi, ça, c'est point de vue PAM, et à ce moment-là, qu'a fait un joueur. On équipe Gatillé, on équipe Oneg, là on est dans le temps, on a toujours dit que l'immédiat dans lui-même, c'est si on ne peut pas sentir, on ne peut pas camper, on ne peut pas chita. Si on a une équipe, en tant qu'entraîneur, coach Moïse, on ça m'a dit très bien. Si on a une l'immédiat qui peut assurer par un boulevard dans le temps, là, et qui ne peut pas prendre un goal facile comme ça, mais même, c'est ça que je me dis. Et non, on attaque avec un milieu vraiment là. Et l'en a gardé pour travailler le Camodic fait. Après un jeu équipe. Avec un nègre qui a mis le goal dans le filet là. Tout le monde a eu un. Nous respectons la position par nègre là. Mais l'on a présumé. Que c'est attaquant lui-même qui. Et il a toujours gardé le monde qui fait goal là. Mais il n'a pas gardé l'autre travail. Continue ça, m'a dit à très bien. Mais. Oui, mais. Oui, tu sais ça qui est dans le football là. Ça fait parfois pour la part de l'aide. Côté, mon gars fait tout le dans le jeu là, cap se barre manger là, cap dit se manger là, et puis, sur l'autre, il va manger manger là, et puis, c'est pas mon qui fait tout qui fait manger là, non, yo, ouais, c'est mon qui mange manger là. C'est même, j'ai une grande différence. Dans le Brésil, l'auteur parle de entre Garantia, Brésil et Pelé. Garantia, c'est un gros football. Mais avant, c'est Pelé qui a fait gol, tout le monde est Pelé, ouais. Et moi, c'est pas un gros argument. Et c'est des débats que je fais bien, c'est critère. Nous savons encore, c'est critère. Entre Ronaldo et Griezmann, critère pour meilleur joueur européen, qui s'en met devant? Qui s'en met devant? Qui s'en met devant, critère? Comme moi, on critère, qui s'en là? On va me dire mais ça, quel critère que nous songeons là? Il parlait de. En statistique individuelle, en tant que performance individuelle. Il parlait de en dans terrain, en dehors terrain, tout ça est en ligne de compte. Et puis donc, il allait en termes de apparition, je l'attends des joueurs, tout ça est en ligne de compte. Mais, souvent, après, pour venir avec plus de critères, Alain Jean-Jacques me dit. Bon, oui, normalement, ça entre en ligne de compte. Tout bon exemple, normalement, en termes d'image. Et ça, c'est une critère que nous connaissons. Mais, on va dire que et Garantia, pas oublié comme il y a 62 puis il est blessé, puis il n'est pas vraiment joué monté à 62. C'est Garantia qui est comme l'équipe là sous dos. Ça, moi, je voulais à titre de rappel. Donc, Pelé Populaire, c'est plus par rapport à quoi du monde, il peut être plus par rapport à ce qu'il a fait avec l'homme, les Santos. Ok? Donc, Pelé est tout populaire, ça. Donc, on tourne sous parenthèse, hein? On tourne sous le sujet. Hein? Et avant tout, allez, on peut viser ça, les David Massefleur, Yuxi Peter, mais c'est ça, voilà, vraiment là, qui a suivi le débat vraiment intéressant. Merci bien, monsieur. Donc, tout simplement, je viens tout à l'heure. Ça va dépendre de qui critère, donc, où j'aime dédier, les gens que coach a dédié en tout. Il y a l'autre bar tout qui pourra dépendre tout, vous comprenez? Même par contre, les gens que le comité qui va le voter, on est. Donc, si que j'en dis. On va faire de 80 entraîneurs et puis donc 50 journalistes. Voilà, c'est quand il a laissé au père qui lui voter pour lui, qu'on a un journaliste
en pile de monde quoi comme si pas de voter soit motri soit pris ça non mais comme mais parfois dis... tout parfois tout Alain et en termes de vote tout parfois on fait pas sentiment tout Alain je me dis parfois tout yo fait tout pas non jouer à popularité jouer à tout ça Alain jouer en ligne de compte parfois là on pas les cas moi avec non mais en télévision Alain Jean-Jacques coach Moïse qui pas de bagarre qui va pas le faire là même si que me connaît vraiment et nèg là pas plus fort plus fort que ou mais parce que nous ensemble m'pa ta vle pour mal voter pour l'autre là et puis donc après ça m'en va garder pas garder m'en va dire que m'pa voter pour passer fit parfois bah, ça il fait pas sentiment tout parfois mais c'est qui joue mal en dans ça en termes de vote monsieur bon bon c'est là que nous avons fait tout ça tout ça qu'on va vraiment connaître mais comme je l'ai dit tantôt si que critères strictement européens même européens c'est à dire que concernant que la Ligue des Champions Cristiano doit prendre affaire sans aucun problème par contre si que une fois bah on la donne là pour une discussion là va le faire donc moi c'est que pour FIFA très facile et tout pas oublier que normalement pendant le mois de septembre là et la Ligue des Champions pour gagner l'autre bas tout ça va rentrer en ligne on verra bon en tout cas messieurs nous parlons tant pour nous suivre connait comment ça va aller n'a pas les amis capable toujours continuer et partager live là inviter des amis donc ne pas oublier like pas celui du noir en forme David Marcel Fleur nous parlons là pour terminer oui monsieur nous quelle autre information que nous avons touché là et nous t'ai annoncé dans titre là et nous croyons que nous gagnons c'est ça véhicule le vrai si monsieur Gaëtan dit en pile journaliste pour voter pour Cristiano livre dit que clairement vie tout journaliste yo c'est monsieur qui mérite lui-même également les well oui en tant que journaliste vous commentez bon anyway et nous t'ai tout match en termes de match de barrage et pour Ligue des Champions lui-même et surtout nous gagner là à 3h de pas gagner la Young Boys de la Suisse même parler avec Dynamo Zagreb VDFC a proposé avec Ajax et puis donc n'a gagné Ajax de la Hollande même qui a pris pour jouer avec Dynamo Zagreb et avec Dynamo Kiev nous capable là et surtout hier t'as gagné étoile rouge de Belgrade yo même qui te fait machine avec Red Bull Salzburg bat Borisov de Biélorussie t'es tombé devant Pierre Joven 3 goals à 2 et puis donc Benfica Paok Salonique yo même qui t'es arrivé faire machine un goal partout Moïse Élisée. OK merci Boutis et bosse en direct depuis l'émission. L'émission double, l'émission on est pas radio. Univers des sports. Et puis donc demain soir et 7h30 pas donc sans sport réel. Et avant tout Moïse faut être là. Allez, en quelque sorte vraiment nous t'es content pour nous dire Alain Jean-Jacques me dit depuis Freeport, zami pas, monsieur qui et c'est ça et monsieur mes amis, faire un petit débat de Real qui au pas gain aucun remplaçant. Bon, on a émission demain soir et n'avons pas parlé de ça puisque il a déjà expiré longtemps vraiment là. Dans l'émission demain soir, nous va parler de qui Real Madrid là puisque il va vraiment gagner un fort par rapport à Thibaut Courtois qui a gagné. Et il était un autre jeune joueur brésilien tout qui dans Castilla. Et demain soir, dans l'émission Sportiel là, nous allons retourner sur ça. Et Yuxi Peter. Allez, Jean-Jacques Mehdi, Zami, nous sommes contents pour nous retrouver avec après un long temps d'absence. Vraiment là, et nous allons retourner en forme. Allez, Jean-Jacques Mehdi. Non, oui, merci beaucoup. Du fait que bonne opportunité pour qu'à Vipam. Et merci du fait que moi rencontré bon et comme si là en temps des voix coach que Moïse m'anti que monsieur a toujours coach équipe aux États-Unis m'a vraiment connaît monsieur fait un grand monsieur pas pour faire l'autre bagarre connaît pas États-Unis lui-même
faut vous payer bill. Faut vous payer bill. Bon. Entre temps et nous comprenons ça. Donc mais non. M'a fait agent Moïse, mais bon Moïse ça va dire ça là va dire bon mais on connaît États-Unis lui-même vous connaissez, on venir si faut qu'on travaille, faut des billets payer hein, bon. Quelque chose de là, mais c'est qu'il y a temps. Peut-être si je vous dis, bah, il apprend quand même. Bon, en tout cas, même, l'aspect tactique dans le football là, est extrêmement intéressant. Je décide de faire éducation, je décide de faire coaching education, ok, right now, so, je fais là avec US Soccer. Je pense que normalement, ça vient de permettre moi, ouais, football, on l'obtient, ouais, comment le football est développé, mais comment que vous coachiez, mais qui formation coach qui est normalement plus car comme si là, et river sous joueur pour faire joueur du développement en tant que footballeur, c'est-à-dire le développement personnel là, pour développer côté que pour faire du meilleur niveau. Donc moi c'est que normalement et toute base extrêmement importante football là, une souhaité que on joue que mon qui connaît et entrer dans football haïtien, le football haïtien vient connaître que de ses centres et même dépasser ça a été fait dans les années 70. Merci bien, allez, Jacques Medi. Nous espérons que nous allons retrouver dans l'autre édition. Je ne sais pas, je que c'est émission pas. Vous entrez, l'on veut entrer. C'est un bagage pour nous. Vous connaissez l'émission Univers des Sports tous les mercredis. Vous gagnez la Sport Réel tous les jeudis soirs entre 7h30 pour 10h. Et puis les dimanches, 2h au top de 5h. Allez, Jacques Medi. Ok, pas un problème, merci beaucoup. Hein. D'accord, mesdames et messieurs, nous sommes ensemble avec nous. Allez, Jean-Jacques Medi depuis Freeport, côté dans l'espace là, et nous sommes ouais, du championnat national de la première division, qui vient pour Vepotio là entre 1er et 2 septembre qui a venu là, et pour les amis qui à peine connecté là, il est vraiment difficile pour nous retourner dans tout ça qui nous a parlé. Mais puis donc, il y a une activité vraiment là à Saint-Louis-du-Nord. Et surtout à compter de 6 heures, après là, l'équipe diaspora a joué avec Adelsa de Saint-Louis du Nord, et puis après l'autre compétition qui a joué, et puis nous avons baraillé de la Ligue des Champions, et nous avons parlé aussi de la Ligue elle même vraiment là qui parle là pour un match qui pouvait jouer dans pour saison là aux États-Unis, côté capitaine là, vraiment là, il a campé en quoi. Je vais vous pour ça, tu arrives fait. Et puis donc, nous avons l'autre information, surtout avec pour Ballon d'Or lui-même, Ballon d'Or européen lui-même, meilleur joueur européen lui-même, vraiment là, qui va gagner pour décider très prochainement. Et puis nous avons parlé de président UEFA lui-même, en parlant d'Alexander, c'est lui-même qui parlait gagner pour la réélection. Et puis nous avons dans le pays, Goué lui-même. Côté gagne un pile problème dans fédération ça lui même côté la FIFA lui même fédération ça lui même qui sous dit elle de la FIFA coach Moïse vraiment là et nous t'es content pour nous te gagner un coach nous espérons que et n'après tout vous non il y a l'autre édition coach Moïse Élisée et merci Boutis et nous t'es content tout sur émission sport universel là et bon c'est pas une dernière fois c'est pas la première fois bon c'est que à n'importe moment que vous sentiez que Écoutez, c'est émission pour vous, bon, ça dépend de disponibilité ou bon, les pas. Déjà de ça. C'est un paquet juillet. C'est un paquet juillet en tant qu'ancien joueur, et ancien capitaine, et ancien entraîneur, toujours entraîneur, et puis donc on habite, et puis donc on a disponible. C'est un paquet juillet. On s'est bien là. On s'est bien là. On est toujours là, et toujours là, et jusqu'à présent, nous avons des contacts. Donc, je vais vous dire dans le pays avec des petits mondes, quelques fois, bon, je et jusqu'à présent, nous avons des bah, données par nous connaissons exactement ma intégré club Zaro. Donc, on est sur le jeu de en ville, okay. Et jusqu'à présent, même le faire privé, et nous avons des courage, nous avons des idées, nous avons des quelques fois, bon, je qui gagne dans la zone et bien. Merci bien, coach Moïse Élisée. Na retrouve dans l'autre édition. Watson Gaspar, depuis Chili en forme en forme. Match pas de gagner. C'est à cette place fait goal. C'est à cette place fait goal, boy Pam. Et puis donc, nous avons Jean Wicklobson, vraiment là, qui est connecté avec nous là, depuis Santiago, Chile. Nous saluons, boy Pam. Nous remercions tous les amis, toute fatigue, vraiment, qui t'a suivi. Nous merci bien, docteur. Allez, Jean-Jacques Medi. Et nous remercions tous les amis, toute fatigue, vraiment,
qui t'a suivi émission hein, et nous espérons que nous retrouver vous demain soir si bon Dieu ben nous la vie dans espace sport réel côté Naval Game pour nous venir parler sport dans espace là et pas oublier rester connecté à Saint-Louis Noir TV et puis donc rencontre adresse là lui-même après pour venir jouer nous après-midi à compter de 6h. Merci bien. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Na va retrouver demain soir dans l'espace sport réel. Vous êtes bel et bien présent pour nous venir informer vous. Merci bien. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Allez, ciao. À la prochaine. Reste et demeure le sport roi. C'est ce qui nous réunit et nous unit à chaque fois qu'on doit agir pour la paix, le fundraising et contre la guerre. C'est le vigno organisation à but non lucratif qu'on prenne question 1 et décide d'agir pour l'éducation. Dans l'idée pour construire l'école dans zone Mike petit monde défavorisé, c'est le ville a invité nous tous dans un gros match de gala le 22 août dans Parc Les son petit frère à 4 p.m. C'est le ville pour jouer contre ASSL dans l'ambiance sans pareil parce qu'il rappelait René pour le mettre en animation tête chargée. Et c'est pas fini, a gagné un pilote animation encore, d'un coup animation musicale, manger et latrier. Tout ça, c'est seulement pour 100 gouttes pour qu'on ait plus soublié des plus. Programme ça arrive possible grâce à Soleil Transport, Tim Michael Tête Frette, Relax Barbershop et Lucas Napoléon. Match arrêté quelques secondes pour le fini. Danger pour ASSL. Danger pour ASSL. Michel Edli a pas avancé. Michel Edli. Michel Edli. Passe pour Pascal Eaud. Pascal Eaud. Pascal Eaud. Les tirer. Hey, fly. Pascal Eaud tombé, monsieur. Match fini. Jamais de ma vie, distance pas fait m'blier ou c'est lui. Côté un bon l'aime t'a grandi, la société prend ma deux bras l'ouvrir. Qu'on y aime dans l'autre pays, ma j'aime pas rêver ou l'aime dormi. Là m'fait pas ça toute malheur, ou c'est celle côté m'senti l'esprit m'en fait. Fais-moi tout côté flotter, y'a très belle vie à contempler. En pile monde visite, content je ne plaisir à hospitalité. Faites patronal, belle femme tout côté, son défilé, l'œil au souris fait tout beauté. Yeah. Welcome to Saint-Louis du Nord, Rivière la Caille, Villasso, belle entrée, Bono. Soleil côté la place, même pour la matinée. Chalet, mesdames et provocada. Moi, feeling oulala. Ambiance dans le récif, toi et moi. Mon fabrice, petit jeune hôtel, idéal. Les cigarettes, un coquillage, bête au cœur, énergie. Charlie Beach, Tavenia, Westa Plaza. Dragon, Pepsi, Juventus, ASB, Vacancia. Thank you.
connaît pas on en matigra. La terre au lit, marche mercredi mundari.
Absence of torment. Je m'ennuie de toi. Le prendre nos bras, faire des mains, quand attirer mes écoulements, ça fait des pires ma peur. Battable pour nos jambes détachées. Pendant la rime, ma prière pour vivre, me bagatane, pour ma connaître avec, si chéri, moi, c'est leur sourire avec, que senti bien, moi, je ne vous, c'est un pile monde pacifique, cherche bien loin, matin, midi, et soir, le toujours là, oh, oh, parce que, absence sous tout mon thème, on parle à dominer. Je m'ennuie de toi. Absence sous tout mon thème. On parle à dominer. J'ai besoin de toi. Y'a mon qui ouais. Ça qu'a parlé. Ou d'une cotisée. Mais c'est qu'on est ou pas qu'on est. En prise l'amour qui est sous moi. J'ai changé vision dans vie, moi, où c'est guidon. Qu'un pilote qui essayait, il peut arriver, rivaliser. Chaque fois nous faisons, nous ouvrons pour moi. Qui t'aime dit, oh baby, qui ça ouvre pour moi. Moi, pas envie de passer, même une seconde. Ça ou pas, par côté, moi. Absence tourmentée, mais on parle à dominer. Que moi palpite, sous
me braquer. Ma vie imaginée, le bruit qu'a passé devant où s'arrêter.